Bonsoir et bienvenue à cette soirée d'information et d'échange qui portera sur le réaménagement d'une portion de la rue Galt-Ouest. Je me présente, mon nom est David Bombardier, je suis agent de communication et d'information à la ville de Sherbrooke et je serai votre animateur tout au long de la soirée. Initialement, on souhaitait vous présenter le réaménagement de la rue Galt-Ouest en personne, en chair et en os, mais la pandémie de COVID-19 nous a obligés à changer nos plans. Nous avons donc dû opter pour une formule virtuelle. Au final, vous le verrez, le résultat sera sensiblement le même. Il y a exactement 2 semaines, vous avez peut-être assisté à la soirée d'information et d'échange qui portait sur le programme d'intervention du quartier Ouest-Sud. Ce soir, nous procéderons exactement de la même façon. Tout d'abord, vous aurez droit à une présentation qui durera environ 45 minutes. Ensuite, on passera à la période d'échange avec vous. Plusieurs intervenants et personnes ressources sont ici ce soir pour répondre à vos questions et à vos commentaires sur le sujet. Je vous reviendrai plus tard pour vous expliquer comment vous pourrez intervenir pendant la soirée. Au sujet des intervenants et des personnes ressources, je vous les présente à l'instant. Deux intervenants vous expliqueront d'abord en quoi consiste le projet, soit M. Yves Tremblay, directeur du service de la planification du territoire, le SPGT, et M. Jérémy Despaux, conseiller projets spéciaux au SPGT. Bonsoir. Il y aura aussi Mme Ingrid Dubuc, directrice du bureau de l'environnement, qui interviendra pendant la présentation. Mme Dubuc, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ensuite de ça, 3 personnes ressources sont également avec nous pour intervenir au besoin. Il s'agit de Mme Caroline Gravel, directrice du service des infrastructures urbaines. Bonjour. Monsieur Patrick Dobson, directeur général de la Société de transport de Sherbrooke. Bonsoir. Et Madame Brigitte Bouliane, chargée de projet au développement à l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, l'OMH. Bonsoir. 4 élus sont aussi présents ce soir, soit Monsieur Steve Lussier, maire de Sherbrooke. Bonsoir à vous, bonsoir. Madame Chantal Espérance, présidente du comité de revitalisation du centre-ville et présidente de l'arrondissement des Nations. Bonsoir. Monsieur Pierre, président du parallèle de l'habitation sociale et vice-président de l'OMH. Bonsoir. Et Monsieur Rémi Demers, président de l'OMH. Bonsoir à tous. J'invite maintenant le maire de Sherbrooke, Monsieur Steve Lussier, à vous adresser quelques mots. Merci, Monsieur Bombardier. Alors, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle soirée d'échange et d'information. L'équipe de la ville est en place ce soir pour vous informer des travaux qui auront lieu sur la rue Galt-Ouest et pour répondre à toutes vos questions. Je rappelle qu'une soirée comme celle-ci s'est déroulée il y a à peine 2 semaines pour discuter du programme d'intervention du quartier Ouest-Sud. Ça a été une belle expérience, très constructive et productive pour tous. Quand je suis arrivé en poste, c'est l'une des priorités que nous nous sommes fixées, celle de revitaliser ce secteur de la ville qui en avait grandement besoin. Comme vous allez le constater, le projet comprend un réaménagement complet de la rue Galt-Ouest entre les rues Belvédère Sud et Alexandre. Ce réaménagement sera l'occasion d'ailleurs pour la ville de Sherbrooke de redéfinir l'espace qu'elle accorde à chacun des modes de transport. Le transport actif, le vélo, la marche en fait partie. Le transport en commun et l'automobile aussi. Bien sûr, il faut garder une chose en tête, la sécurité des gens. Je vous assure que les préoccupations environnementales occupent également une place importante dans ce beau projet. Nous sommes ici, surtout et avant tout, pour vous entendre et pour nous laisser inspirer par vos commentaires. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le maire. Maintenant, je vous explique le fonctionnement pour poser des questions et pour émettre des commentaires. À même la page web sur laquelle vous êtes présentement, on retrouve un bouton vert où il est inscrit « Poser une question ou formuler un commentaire ». Cliquez sur ce bouton vert et remplissez le formulaire. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Au moins 20aine de personnes nous ont déjà adressé des questions et vous pourrez le faire vous aussi en direct tout au long de la présentation. Lorsque la présentation sera terminée, je lirai vos questions et vos commentaires et les intervenants y répondront. Je vous invite à privilégier les questions et les commentaires courts, soit un maximum de 3 minutes par intervention. On donnera d'abord la chance à tout le monde d'intervenir une première fois avant de permettre une deuxième intervention, si le temps nous le permet. On prévoit environ 60 minutes pour la période d'échange et si jamais nous manquons de temps, nous vous répondrons par courriel dans les prochains jours.
La présentation de ce soir maintenant, elle comportera d'abord une mise en contexte. On fera le portrait du secteur et on y expliquera aussi les occasions qui s'offrent présentement à nous. Viendra ensuite la présentation du projet comme tel en deux volets, soit le volet milieu de vie et ensuite le volet mobilité. Finalement, on expliquera l'échéancier avant de passer à la période d'échange avec vous. Sans plus tarder, je cède maintenant la parole à messieurs Yves Tremblay, Jérémy Despaux et madame Ingrid Dubuc. La première diapo, en fait, la mise en contexte fait en sorte que ce qui est pertinent dans la présentation de ce soir, c'est le rendez-vous que l'on a, et M. le maire nous l'a bien mentionné, le fait de réorganiser, de travailler, de récupérer les infrastructures souterraines et en même temps d'en faire un projet marquant à la transformation du centre-ville. Ben, c'est essentiellement la portée de la présentation que nous allons vous faire aujourd'hui. Mon collègue Jérémy va faire tout de suite la situation de mise en contexte et nous allons suivre bien sûr dans la présentation pour les prochaines diapos. Alors Jérémy? Parfait, merci M. Tremblay. Donc, pour bien comprendre le contexte qui a mené aujourd'hui à la présentation, c'est important de comprendre quel était l'état de situation, quel est l'état de situation auquel on fait face aujourd'hui. Donc, le secteur en question, c'est un secteur qui se trouve à être la porte d'entrée de la ville de Sherbrooke, donc un secteur situé au sud du centre-ville et qui est à l'intersection d'un des principaux axes sud au sud de la rivière Magog, donc qui joint le secteur de l'Université de Sherbrooke avec l'ouest de la ville à l'est à Florimont, mais qui fait aussi le pont entre le secteur Ascot et le centre-ville. C'est un des tronçons aussi parmi les plus inhospitaliers de la ville. Pour tous ceux qui le fréquentent à pied ou en véhicule pourront en témoigner. C'est un secteur aussi c'est un tronçon de rue qui a été planifié et qui a été construit aussi à une autre époque. Donc, le temps ayant fait son œuvre, aujourd'hui, c'est un tronçon qui subit une géométrie de rue qui est déficiente, mais qui est désuète aussi. Puis, jusqu'à tout récemment, c'est un secteur qui est occupé aussi par des bâtiments qui présentaient des graves carences en matière d'entretien. Donc, ça nous amène ensuite au fait saillant au niveau des communautés. Donc, en Estrie, on a la chance d'avoir un organisme qui s'appelle l'Observatoire estrien des communautés. C'est un organisme qui suit l'évolution socio-économique des différents quartiers de Sherbrooke, mais aussi d'autres municipalités à l'échelle de la région de l'Estrie. Donc, le centre-ville, par exemple, c'est une communauté estrienne, mais aussi le secteur immaculé Conception au sud. Donc, c'est les deux communautés, les deux quartiers, les deux milieux de vie qui bordent le tronçon de la rue Garde, duquel on va parler ce soir. Ces deux communautés-là sont des communautés qui font face à des enjeux de défavorisation assez importants. Donc, c'est dans les communautés les plus défavorisées en Estrie, mais c'est aussi parmi les facteurs aggravants de cette condition-là. On parle d'un revenu qui est relativement plus faible que la moyenne de la ville, mais aussi une population qui est malheureusement aux prises avec des incapacités à plusieurs niveaux, dans une proportion qui est plus élevée que ce qu'on voit en moyenne à Sherbrooke. Donc, on reprend, pour reprendre un peu depuis le début, on a un secteur qui fait face à des infrastructures qui sont désuètes, qui a beaucoup de problématiques au niveau du cadre bâti. Puis c'est un secteur qui est habitué aussi, qui est habité par une population qui est aux prises avec des enjeux socio-économiques qui sont importants. Donc, ce qui s'est passé ces dernières années, là, les différentes analyses au niveau des infrastructures nous ont fait prendre conscience que l'heure était rendue de les changer, donc de creuser, de changer au complet ce qu'il y avait en dessous de la rue. Donc, quand on change les infrastructures souterraines, souvent, on en profite aussi pour revoir la configuration des infrastructures de surface, la rue, les trottoirs et compagnie. C'est un secteur qui avait été identifié aussi au plan directeur d'aménagement du centre-ville comme étant un secteur à fort potentiel d'intervention, donc pour les raisons que je viens de vous expliquer. C'est un des secteurs aussi un des trois secteurs qui fait partie des grands projets d'investissement, des grands projets d'investissement au centre-ville à l'échelle de la ville de Sherbrooke, donc notamment avec le secteur des Grandes Fourches, pour lequel on est en train de revoir le tracé pour pouvoir redonner les berges à la population sherbrookoise. Il y a le secteur Ouest-Sud et, en dernier lieu, le secteur de la rue Galt-Ouest.
Donc, maintenant, je redonne la parole à M. Tremblay et on va vous faire une petite visite du projet sous la thématique du milieu de vie. Alors donc, le centre-ville et son milieu de vie, les principes directeurs, faut se rappeler qu'il y a eu un premier document très développé et auquel on a eu la participation de beaucoup d'intervenants, c'est la vision Centre-ville 2020. Même document là, qui a inspiré et qui continue d'inspirer les interventions et les projets, entre autres, surtout au centre-ville. Donc, c'est le même document qui a toujours force de vision. Il y a bien sûr toute la notion du droit à l'espace de vie de qualité. Alors, c'est un autre élément très marquant qui a été mis en avant-plan dans la reconfiguration du secteur pour pouvoir bien placer l'ensemble des usagers, l'ensemble des composantes et l'ensemble aussi de la façon d'utiliser et de participer à ce secteur. Favoriser l'inclusion, l'appropriation et l'appartenance fait aussi partie des valeurs que l'on prône pour faire en sorte que l'on puisse créer une fierté dans le réaménagement du secteur pour qu'il devienne un secteur de référence et non pas un secteur à éviter de par sa désuétude, par exemple. Et autre élément, c'est de favoriser la socialisation et la participation, les échanges. On va retrouver beaucoup cet élément-là, entre autres avec l'appropriation, la réappropriation du parc. Parc qui a actuellement la glace bleu-blanc-bouge de la Fondation du Canadien de Montréal. Et elle a été placée là, justement, en lien avec ce que Jérémy, mon collègue, nous a parlé au tout début, à savoir le niveau, bien sûr, de la particularité sociale du secteur. Je vais faire un petit clin d'œil en même temps de ce que mon collègue Jérémy a mentionné. Il faut savoir aussi que le même secteur a connu une autre belle transformation qui a été un peu le précurseur là, de la réappropriation, soit à l'École Larocque, tout le réaménagement et la transformation de la rue Mère-Thérésa qui a été finalement départagée en espace vert et seulement que pour l'autre moitié de la rue, transformée en accès à l'église de façade. Donc, c'est un projet qui a fait sa marque au Québec et qui est même bien indiqué comme référence. Alors, ça vous montre ou ça vous démontre un peu la lancée de transformation positive là, que l'on fait dans ce secteur spécifiquement, mais aussi dans l'ensemble du centre-ville. Donc, le projet, c'est une rénovation urbaine d'un tronçon en grand besoin d'attention, on vous l'a bien mentionné. C'est surtout un des éléments déclencheurs, on vous a parlé, le fait de remplacer des infrastructures souterraines, mais c'est aussi le fait de remplacer les 70 logements qu'on avait en façade très, très près, là, tout près là, de la bordure de trottoir, en 116 logements neufs, vraiment là, d'une autre gamme qui va venir meubler et donc occuper l'espace. Alors ça, c'est un élément déclencheur très fort. Et l'agrandissement par le fait même du parc Alfred-Élie-Dufresne pour le désenclaver, lui donner une ouverture encore plus généreuse là, sur la rue et faire en sorte là, qu'on puisse y accéder là, aisément et facilement. Prochaine diapo. Alors donc, on voit ici l'ensemble du secteur. Ce que l'on a comme point de repère, donc de façon horizontale, c'est vraiment la rue Galt-Ouest entre à gauche Belvédère et à droite Alexandre. On a le premier plateau qu'on reconnaît très bien, soit la place Belvédère ou le nouveau nom, là, le centre Sherbrooke. On a à gauche l'édifice de la Hooper qu'on connaît, dans lequel il y a le Pharmaprix. On a bien sûr le Pharmaprix au nord, mais aussi le Familiprix à gauche. Nous avons aussi le Couche-Tard à l'autre intersection, Galt et Belvédère, le Stratos, prochaine image, la maison Bureau et Bureau, du côté sud de la Galt. On a bien sûr l'installation là, de... Taverne Alexandre. C'est la Taverne Alexandre, désolé. Je cherchais le terme. On vient de voir apparaître les 9 bâtiments là, qui ont fait l'objet là, de la déconstruction et dans lequel on va faire bientôt la décontamination du site
et c'est le même secteur qui comprendra la nouvelle implantation de l'OMH. Et à l'arrière, on voit le bâtiment qui accompagne à la fois la patinoire Bleu-Blanc-Bouge et la piscine publique qui est en arrière, mais qu'on ne voit pas sur l'image. Alors ça nous positionne vraiment sur l'espace de travail qu'on vous présente ce soir. On a bien sûr les rues environnantes, peut-être les répéter. Merci, Jérémy. Donc, à gauche, Belvédère Sud, à droite, Alexandre, complètement à chaque extrémité de l'image. Galtouest étant la rue principale que l'on voit là en plein centre de l'image. Et les petites rues perpendiculaires, commençant par la gauche, Saint-Antoine, Saint-Pierre, Saint-Louis et rue Larocque. Prochaine diapo. Alors, la prochaine diapo, ça nous présente en fait l'implantation des 9 bâtiments qu'on a déconstruits, qu'on a terminé la déconstruction, justement. L'emplacement que ces 9 bâtiments occupaient au niveau de la propriété. Puis, on va voir apparaître maintenant le nouvel emplacement de l'OMH, je crois, si tu vas vers l'autre image. Alors, on voit maintenant l'espace que le nouvel OMH, en fait, l'OMH plutôt, va occuper. On peut percevoir déjà une délimitation un peu plus serrée sur le site qui nous permet de redonner des espaces là, au parc en tant que tel là, que l'on désire donner là, de façon beaucoup plus libre et ouverte. Alors ici, on a l'image proposée par l'OMH là, pour passer des 70 logements aux 116 logements. Donc, c'est un bâtiment de 6 étages qui va faire face, bien sûr, à la gare avec trottoir en banquette. La banquette, c'est l'espace de gazon qu'on retrouve entre la chaussée véhiculaire et bien sûr, le bâtiment, et le trottoir plutôt. Donc, vous pouvez apprécier ici là, l'image en question. Le même bâtiment, on le retrouve à la droite de l'image, mais là, on rentre un peu plus précisément sur l'espace du parc Alfred-Élie Dufresne. Alors, on peut voir aux abords une petite placette qui va inviter finalement là, les rencontres et les discussions improvisées là, aux abords du parc. Peut-être, Jérémy, tu peux nous l'encercler pour qu'on puisse suivre à l'œil. Oui, tout à fait. Donc, la placette étant un peu l'invitation... au placotoir, puis ainsi de suite. Alors, on a aussi la traversée piétonne, que l'on retrouve là, pratiquement en face du parc, qui va nous permettre de sécuriser le passage d'un côté à l'autre de la rue avec, bien sûr, feu protégé pour le piéton qui sera activé instantanément là, pour l'accompagner. Alors, vu dans l'autre sens encore, on est plus près de la placette en question qui n'existe pas, mais qui va apparaître dans les aménagements qui sont proposés. Et en arrière-plan, l'édifice de l'OMH, on peut remarquer, on peut reconnaître la piscine en tant que telle. Il faut savoir que pour faire ces aménagements, on aura à retirer quelques arbres. On voit les arbres en rouge qui devront être retirés pour des raisons soit de décontamination du site, installation de l'édifice de l'OMH. Mais par contre, tous ceux qui sont en vert un peu plus clair, c'est des nouveaux arbres qui vont apparaître seulement sur ce site. Ça, c'est sans compter les arbres qui vont nous accompagner tout le long de chaque côté de la rue Galtouest et aussi au centre pour justement s'assurer d'avoir un accompagnement très, très marqué de la présence du végétal sur l'espace. Prochaine diapo. Alors, Jérémy, je te laisse faire le bout de la mobilité. Tout à fait. Donc, j'ai l'honneur ce soir de vous présenter la nouvelle vision du réaménagement de la rue Galt, une vision qui est axée sur une artère pensée pour le 21e siècle. Qu'est-ce qu'on entend par une artère du 21e siècle? Bon, on entend, je pense, le premier principe ou la première l'idéologie même de tout ça, c'est un partage équitable de la rue. Donc, pour tous ceux qui ont déjà marché le tronçon, c'est pas une rue qui est très conviviale, c'est pas une rue qui est très attrayante. Puis même, je pense qu'on a un exemple de rue où on peut parler d'un sentiment de sécurité qui est absent. La rue Galt fait partie probablement des cas les plus probables. Donc, un partage, de rééquilibrer le partage de la rue en fonction des différents modes de transport, le piéton, le cycliste et l'automobiliste. On parle des déplacements actifs qui sont conviviaux et sécuritaires, donc où on ne se sent pas en danger, où on se sent bien pour vivre et se déplacer dans notre milieu de vie. Bien sûr, on parle de réaménagement de la rue, ça inclut automatiquement du divertissement qui vise à améliorer le confort lorsqu'on marche, mais aussi diminuer les îlots de chaleur à l'échelle du quartier.
une circulation qu'on veut plus fluide et sécuritaire aussi. Donc, plus fluide et sécuritaire autant pour les piétons, les cyclistes, mais que pour les automobilistes aussi. Donc, une mobilité en bout de ligne qui est optimisée pour des habitudes de transport qui sont en évolution. Donc, le contexte de mobilité a changé depuis 20 ans. Il va changer encore dans les 20-30 prochaines années, mais lorsqu'on regarde une artère du 21e siècle, il ne faut pas regarder qu'est-ce qui se faisait, répéter qu'est-ce qui se faisait dans le passé. Il faut regarder quels seront les besoins dans l'avenir et s'y rattacher. Donc, le tronçon en question de la rue Galt, auquel mon collègue M. Tremblay nous présentait un petit peu plus tôt, c'est un tronçon qui est pris aussi avec des enjeux de sécurité qui sont assez importants. Donc, la ville de Sherbrooke a adopté un plan de sécurité routière en milieu municipal et le site en question a été identifié comme un des sites qui présentait un potentiel élevé d'accidents. Donc, le site fait partie du 1% des tronçons les plus problématiques à l'échelle de la ville. Donc, de 2012 à 2016, c'est 18 accidents qui ont été enregistrés par la police dans nos statistiques. Et ça fait en sorte qu'un usager qui fréquente ce tronçon-là, qu'on parle à pied, à vélo ou en auto, bien, a 2,5 fois plus de chances d'être exposé à un accident qu'en moyenne ailleurs sur le territoire. Donc, au-delà des besoins en termes de mobilité, le tronçon doit être repensé au complet aussi pour régler cet enjeu-là. Donc, on vient au secteur pour bien remettre en contexte. On avait au nord la place Belvédère, au sud Maison Bureau et Bureau, puis le tronçon qui est défini par à l'ouest le Belvédère Sud et à l'est Alexandre et Larocque. Donc, la visite que je vous propose, c'est une visite par laquelle on va commencer par le tronçon est. Donc, le tronçon est, aujourd'hui, jusqu'à tout récemment, c'est ressemblait à ça. Donc, on avait en bleu l'espace qui était réservé aux piétons. Donc, on parle du trottoir. Un trottoir qui est sur la façade nord de la rue, donc la façade où on retrouve les bâtiments ici. C'est un trottoir qui, parfois même, était dans la cour avant des bâtiments. Donc, on marche sur le trottoir, on peut voir ce qui se passe en dedans des bâtiments. Quelqu'un ouvre la porte, ça peut être dangereux. Donc, en ce moment, jusqu'à tout récemment, l'espace dédié aux piétons était identifié par le secteur en bleu. Lorsqu'on superpose des images avec le projet proposé, bien, l'espace piéton et cycliste passe de ça à ça. Donc, on vient sur l'emprise, à certains endroits, on vient tripler l'espace. Donc, un espace, oui, avec toujours un trottoir, une bande végétalisée, mais aussi maintenant une voie cyclable protégée. Bien sûr, avec un terre-plein central pour améliorer la fluidité, mais aussi la sécurité des usagers et du même coup aussi le verdissement. Maintenant, quand on parle aussi de préserver ou d'améliorer la fluidité et le transit, il y a un choix aussi qui a été fait de maintenir à l'intersection 5 voies de circulation comme que c'est l'état de situation aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit clin d'œil à ma collègue Ingrid Dubuc qui ce soir va agir à titre de guide touristique écologique et qui va vous faire une visite virtuelle de la rue telle qu'on l'envisage dans le projet. Donc, merci, Monsieur Despaux. Donc, dans l'image que vous voyez présentement, j'attire particulièrement votre attention sur l'espace et d'ouvrir vos horizons. Et j'attire votre attention sur bien voir les espaces qui sont dédiés aux différents modes de transport, particulièrement à ce qui a trait à la piste cyclable que vous voyez à la droite de l'écran, qui est une piste cyclable, comme Monsieur Despaux l'a mentionné, protégée, qui sera possible, par contre, de bien entretenir aussi en période hivernale, un peu comme celle que nous avons dans le secteur du boulevard René-Lévesque. Donc, on a vraiment dédié un espace pour ce transport actif-là, un espace aussi un petit peu plus à droite qui est pour le passage piéton, de même que, bien entendu, les deux voies de circulation, une belle bande au centre avec beaucoup de verdure, comme vous le voyez dans l'image. C'est un secteur de la ville qui comporte actuellement beaucoup d'îlots de chaleur. Donc, ces idées-là, cette transformation-là du secteur va nous permettre aussi de contrer les îlots de chaleur. Donc, vous voyez que c'est très aéré, c'est propice à la marche, c'est propice au transport actif. Donc, vraiment, dans la présentation que M. Despaux a fait en vue aérienne, ça nous permettait de voir le partage qui est différent et qui est beaucoup plus équitable, encore une fois, transport actif, que ce soit le piéton, le cycliste, le transport en commun, l'auto partagé ou l'auto solo, tout le monde a leur place de manière équitable avec une meilleure canopée pour justement, encore une fois, contrer des îlots de chaleur. Donc, merci, Mme Dubuc. On revient au tronçon initial et on va se déplacer un petit peu plus à l'ouest face au parc Alfred Dufresne.
Donc, on revient encore une fois, on identifie à l'heure actuelle l'espace qui est réservé aux piétons en bleu. Et lorsqu'on superpose les images, ça fait, encore une fois, on parle d'une transition du simple jusqu'à certains endroits au triple et peut-être même au quadruple, notamment en face, dans la portion qui borde le parc Alfred Dufresne. Donc, la particularité de ce tronçon-ci, c'est qu'on a fait le choix de maintenir, bien sûr, c'est la continuité du terre-plein central, mais on a fait aussi le choix de maintenir une intersection. Une intersection, par contre, qu'on dédie cette fois-ci exclusivement à la mobilité active. Donc, un usager qui souhaite, qui provient de la rue au sud et qui souhaite se rendre au parc pourra le faire. On appuie sur le bouton, automatiquement, le feu tombe à rouge, l'état des automobilistes s'arrête et le passage se fait presque de manière automatique, d'un côté comme de l'autre. Donc, je redonne la parole à ma collègue Mme Dubuc qui pourra vous faire continuer sa visite maintenant à partir de l'intersection. Encore une fois, pour la première partie de la section, on a vu beaucoup de verdure. Vous pouvez le voir dans l'image qui est présentement. Monsieur Despaux a parlé du passage piétonnier, qui est un passage sécuritaire. Donc, c'est une priorité qui sera donnée aux piétons, un peu comme on le retrouve dans le secteur de l'Université de Sherbrooke pour permettre la traverse des étudiants. Donc, c'est vraiment pour favoriser le transport actif. Ce sont des petits détails qui ont été intégrés dans le cadre du projet pour nous assurer d'arriver à cet objectif-là. Beaucoup de verdure, beaucoup d'espace, on favorise le transport actif. Vous avez une vue différente pour permettre de voir aussi le bâtiment de l'OMH à l'arrière de l'image. Et à peu près vis-à-vis, où est-ce que vous voyez le camion blanc, on ne l'a pas représenté graphiquement, mais il y a aussi une débarcadère qui est prévue pour le parc Alfred-Élie Dufresne pour nous assurer d'avoir cette accessibilité-là aux usagers du parc. Donc, encore une fois, vous voyez le bon partage, la piste cyclable, qui est la même chose que nous avons montré un peu plus tôt pour permettre les différents usages de transport actif. Et ça va vraiment revaloriser ce secteur. Une vue plus aérienne, où est-ce que maintenant on a encore la même camionnette blanche pour grosso modo le débarcadère du parc. Beaucoup de verdure, la placette dont M. Tremblay faisait référence permettra effectivement de favoriser le milieu de vie dans ce secteur. Mais aussi, il y a d'inclus à l'intérieur du projet qu'on voit dans l'espace vert qui est à la gauche, sous la patinoire bleu-blanc-rouge, un espace pour le ruissellement des eaux de pluie. Donc, ça a été intégré pour nous assurer aussi, en termes d'adaptation au changement climatique, que c'était déjà prévu là, à l'intérieur du projet. Donc, un projet ouvert, un projet vert et qui met de l'avant là, les différents modes de transport. Donc, je vous invite à attacher vos casques. On se déplace pour la dernière portion de la présentation à l'ouest, vers l'intersection Belvédère et Garde. Donc ici, même exercice que pour les deux premiers tronçons. On identifie l'espace piétonnier, donc les trottoirs dans l'état actuel des choses. Nos quatre voies de circulation, encore une fois, à l'intersection de la rue Garde et Belvédère. Et on superpose des images du projet. Donc, cette fois-ci, il y a plusieurs interventions, notamment ce qu'on peut voir au nord ici, c'est que la voie réservée pour les virages à droite, elle a été enlevée dans la perspective de la regrouper avec les voies pour aller à gauche et continuer tout droit. Donc ça permet d'avoir une traverse plus courte, plus harmonieuse et d'inclure davantage aussi de verdure. Autre élément qui est important de noter, bien sûr, comme dans les deux autres tronçons, on parle d'un élargissement de trottoir et de verdure. On parle cette fois-ci aussi de l'ajout d'une cinquième voie de circulation à l'intersection, une voie qui va être dédiée à la fois au virage pour aller tout droit, mais aussi au virage à droite. Une des raisons pour lesquelles on a décidé de rajouter une voie de circulation, c'est pour, quand je vous parlais au début de la rencontre des grands principes de mobilité, c'était pour assurer une mobilité et un transit qui était plus fluide aussi tout au long du projet. Plus fluide pour se diriger vers le centre-ville, mais plus fluide aussi pour se diriger vers le pont Joffre et vers l'arrondissement de Fleurimont. Encore une fois, avec le terre-plein central. Donc, pour la dernière portion, je relaisse la parole à ma collègue, Mme Dubuc.
Merci, M. Despaux. Donc, pour les œils plus avisés, vous verrez qu'il y avait un abribus illustré, mais il ne devrait pas se situer à cet endroit-là parce que ce n'est pas optimal en termes de transport en commun que d'avoir un abribus à ce type d'endroit dans les intersections. Donc, ne pas en tenir compte. Toutefois, vous voyez aussi les passages piétonniers qui sont bien identifiés et ce ne sera pas que simplement du marquage au sol. Encore une fois, pour favoriser le transport actif, ce sera des blocs de béton qui seront intégrés à l'intérieur de l'asphalte pour permettre de conserver en bon état et de manière bien visible ce passage piétonnier. Donc, encore une fois, c'est ouvert. On voit de la verdure là, du côté droit, du côté gauche de la rue avec le terre-plein au centre. La vue aérienne nous permet d'avoir une vue d'ensemble du projet à l'intérieur de laquelle, au niveau de la canopée, dans l'emprise de rue, il y aura plus ou moins 65 nouveaux arbres qui seront plantés. Donc, ce qui va encore une fois favoriser, bien entendu, de contrer les îlots de chaleur dans ce secteur-là qui en a bien besoin. Donc, merci. Je pense que c'est important de prendre peut-être quelques secondes pour revoir la transformation du quartier de l'état actuel jusqu'à l'état du projet qui est présenté ce soir. Donc, on revient ensuite avec un petit rappel des grands principes en matière de mobilité. Lorsqu'on parle d'un partage équitable de la rue, je pense que ce soir, on vient de vous l'illustrer de manière non pas plus claire. Des déplacements actifs et conviviaux qui sont sécuritaires. Lorsqu'on regarde l'état actuel, la situation par rapport à ce qui est proposé, il y a des changements considérables qui sont sur la table. Un verdissement qui diminue les îlots de chaleur, vous avez vu, on a pu constater aussi la prédominance de la verdure. Circulation plus fluide et sécuritaire, un peu la même chose. Encore une fois, en rajoutant à certains endroits des voies de circulation pour assurer la fluidité aux intersections, mais aussi avec un îlot central pour assurer la sécurité des cyclistes, mais aussi des automobilistes. Parce qu'on parlait en début de rencontre que c'est un des secteurs les plus problématiques à l'échelle de la ville en termes d'accidents véhiculaires. Circulation fluide sécuritaire, bien sûr, puis une mobilité qui est optimisée pour les habitudes de transport en évolution. Qu'est-ce qui nous permet de passer du jour au lendemain, d'ajouter des voies cyclables, d'ajouter un terre-plein central et de la verdure? On joue dans le même terrain de jeu que ce qui est actuellement aménagé sur le tronçon de la rue Garde. Je pense que ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que beaucoup des gains qui ont été faits en se réappropriant l'espace qu'on a de disponible. Donc, lorsqu'on parle d'enlever des voies véhiculaires, lorsqu'on parle de transformer du stationnement sur rue en verdure et en piste cyclable, ça nous permet de passer dans le même espace d'un tronçon qui est habité à 90 % par l'auto, à un partage équitable de la mobilité entre les différents modes de transport. Maintenant, je retourne la parole à mon collègue M. Tremblay qui va vous parler de comment est-ce qu'on se déplace dans ce quartier-là. Alors, du côté cyclable, nous avons en pointillé rouge l'ensemble des patrons de pistes cyclables actuelles. On peut voir si, Jérémy, tu peux encercler le tronçon Galt, que les gens puissent se positionner. Donc, le tronçon Galt qu'on vous parle depuis tout à l'heure, il est justement placé là, dans l'encerclé rougeâtre là, que l'on est en train d'appliquer. Il faut savoir qu'on aura deux défis pour faire un bouclage qui fonctionne bien et qui va continuer à évoluer dans le temps parce que, bien sûr, il y a d'autres bouclages là, qui doivent s'additionner dans le temps au fur et à mesure des rendez-vous, mais aussi des opportunités et, bien sûr, de la capacité d'adaptation qu'on doit placer par étape. Le bout en jaune à droite, quand on est au sortir du pont Joffre, du pont de la rue Galt, il y a une passerelle qui est appelée à être installée éventuellement là, suite aux échanges que nous avons avec le ministère des Transports. Alors, lorsqu'on aura, bien sûr, toutes les confirmations, il y a de prévu une passerelle à cet endroit. Mais le bout qui sera probablement quand même un bon défi, c'est au sortir du pont pour aller chercher justement jusqu'à la hauteur de la rue Galt où nous sommes en présentation ce soir, ou si vous voulez, Alexandre. Donc, il y a vraiment le tronçon qui nous permet de traverser les deux passages de train. Alors, c'est des endroits qui sont étranglés, peu d'espace à pouvoir manœuvrer. Donc, ça, c'est un des premiers défis qu'on aura du côté cyclable. Le deuxième défi,
sera le triangle en rouge complètement à l'ouest de la rue Belvédère. Donc, ce tronçon, on peut bien imaginer comment il est très resserré avec l'édifice de la Hooper. C'est un secteur qui rentre en angle par rapport à la rue Belvédère. Donc, ça aussi, ce sera un très grand défi là, pour trouver les bonnes opérations pour faire l'interconnexion qui pourra nous amener jusqu'à l'université, éventuellement, bien sûr, donc tout le plateau ouest du territoire. On vous rappelle que la portion sud de Belvédère a fait l'objet, justement, d'aménagement de pistes cyclables, même depuis cette année. Alors, on peut voir qu'il y a déjà une liaison là, qui sera favorisée dans ce contexte-ci. Actuellement, à travers le parc Alfred-Élie-Dufresne, qui est le pointillé central. Jérémy, si tu peux me l'identifier. Oui, merci. Alors, lorsqu'on traverse le parc, ça nous permet d'atteindre à la fois le secteur autour du lac des Nations, donc le marché de la gare vers la gauche, ou on s'en va vers la rue Aberdeen, vers le bas, pour aller prendre par la suite là, le tronçon qui est parallèle à Grande Fourche. Alors voilà pour les déplacements cyclables actuellement. Donc, c'est une représentation ici là, des mouvements dans le tronçon spécifique, là, donc de part et d'autre. La piste cyclable qui va être construite avec, bien sûr, le passage au centre et à travers le parc pour aller chercher le secteur de la rue Aberdeen complètement au bas de la pente ou du côté du lac des Nations avec le marché de la gare qui nous permet d'avoir accès à un autre 12,5 km tour du lac. Pour ce qui est des déplacements automobiles, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que Galt West, au même titre que la King, au même titre que de Portland, sont nos trois principales artères permettant de traverser le territoire d'est en ouest, parallèle à la rivière Magog. Et donc, l'attention et l'aménagement qu'on doit y porter doit être marquant et bien important dans l'équilibre entre les différents usagers, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Donc, le vélo, le piéton, bien sûr, le transport en commun pour rendre les déplacements le plus efficaces possible au niveau de la mobilité. Alors, donc, il faut prendre le segment que l'on a à vous présenter ce soir. Jérémy, si tu peux nous le repositionner, s'il te plaît. Non, sur l'image précédente, là, mais juste en encerclant où est le tronçon de ce soir exactement. Alors, ce tronçon-là, il fait partie d'un patron beaucoup plus large de déplacement qui nous permet de pouvoir jouer sur des alternatives, dépendamment de notre provenance, parce qu'on se rappelle qu'il y a un terre-plein central qui marquera, bien sûr, ce segment. On peut aussi faire référence à un dernier projet qu'on a fait le 27 mai dernier, qui est la Wellington Sud, où là, on a aussi des aménagements qui seront proposés même jusqu'à la King West. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans une transformation du domaine public, le domaine public étant bien sûr la rue, pour redéfinir le partage, faire des aménagements qui vont justement donner une préséance à la fois aux piétons, aux vélos et aux transports en commun, et par la suite aux autres modes de déplacement. Prochaine image. Donc, c'est les différents mouvements qu'on pourra exécuter là, avec la présence, bien sûr, d'un terre-plein qui nous permet de pouvoir sécuriser l'ensemble des usagers. Parce qu'il faut savoir que les virages à gauche nous commandent automatiquement la présence d'une voie de refuge qu'on appelle. Alors, c'est la voie de stockage qui nous permet d'attendre le moment pour pouvoir couper les voies en sens inverse, donc les voies de gauche. Ce que ça fait, c'est que ça nous oblige à prendre une partie de la chaussée pour la monopoliser, bien sûr, ou pour la traduire là, en espace de chaussée véhiculaire. Donc, l'espace restant n'est plus disponible pour les autres modes de transport, le trottoir pour le piéton, la piste cyclable pour les cyclistes. Et donc, c'est le choix, bien sûr, qui a été porté ici pour toutes sortes de raisons, mais entre autres celui-ci. On se rappelle que l'intersection Belvédère et Galt étant une intersection quand même assez importante là, au niveau des collisions proprement dit. Il faut savoir que lorsqu'on arrive de Galt West, là, de l'autre côté, donc du côté gauche de l'image sur la Galt, on entre dans une courbe descendante avec une voie de refuge. Donc, ça amène des manœuvres qui peuvent être dangereuses de droite à gauche. Donc, c'est un peu cette problématique-là aussi qui a été répondue par la présence du terre-plein central. Par contre, l'accès au stationnement en question du centre Sherbrooke ou de la place Belvédère, bien,
doit être conditionné vers des manœuvres d'approche qui seront différentes, bien sûr. Un peu comme on retrouve dans d'autres secteurs de la ville, on n'a qu'à penser à l'intersection de King, Jacques-Cartier, par exemple. Alors, on a placé des terre-pleins pour faire en sorte qu'il y ait des manœuvres sécurisées à l'approche de l'intersection. Mais, bien sûr, les usagers ont réhabitué leurs manœuvres d'approche différemment. Alors, quand il y a un commerce de destination veut dire commerce où on pense avant de se déplacer à l'endroit où on veut atteindre, non pas un commerce improvisé dans le sens où on a une fringale et on arrête au premier restaurant du coin ou au premier casse-croûte du coin. Alors, comme c'est majoritairement des commerces de destination, donc on planifie notre déplacement, bien sûr, préalablement, ce qui nous permet là, de pouvoir donner plein pouvoir là, aux différents commerces qui vont se retrouver dans ce segment. Donc, vous avez les différentes flèches qui vous permettent là, de voir les manœuvres, là, donc entrée à droite, sortie à droite et ainsi de suite. Prochaine image. L'échéancier. Donc, l'échéancier qui nous attend, c'est démolition des bâtiments qui ont été complétés. On fait référence aux 9 bâtiments qui sont à proximité du parc Alfred-Élie-Dufresne et donc où on aura éventuellement la construction du nouvel édifice de l'OMH. Il y aura au cours des prochaines semaines des travaux qui se feront au cours de l'été de la décontamination du site pour pouvoir bien sûr libérer le site de tout élément de contaminant dans le sous-sol. Et il y aura bien sûr des travaux de déplacement des utilités publiques. Ce qu'on appelle les utilités publiques, c'est les câbles de Bell, de Vidéotron, les câbles aux distributions, distributeurs, pour les placer dans des massifs souterrains. Et on aura aussi un peu de filage électrique dans la portion basse de la rue qui sera aussi placé dans ces massifs qu'on appelle que des grosses pièces de béton sous le trottoir pour pouvoir concentrer les éléments aériens et deviendront souterrains, donc plus visibles à vue. 2021, et là, on rentre vraiment dans les grands chantiers, ce sera la poursuite des travaux de construction de l'OMH qui sont prévus là, normalement, et le calendrier est toujours respecté, autour du mois de septembre. Il faut qu'il y ait il faut qu'on puisse compléter la transaction, bien sûr, après le site de décontamination. Il y aura la réfection des infrastructures souterraines, donc avec ma collègue Caroline Gravel, là, qui a justement en charge tous ces travaux. On aura aussi l'enfouissement d'une autre partie du réseau électrique pour accompagner le chantier. Nous aurons le réaménagement de l'intersection Galt et Belvédère, qui est une intersection névralgique dans l'ensemble du projet, pour ne pas être obligé d'y revenir plus tard. Donc, il sera fait au même moment. Et bien sûr, le réaménagement de la rue Galt, le projet tout au long de la présentation de ce soir. Donc, l'ensemble des travaux seront faits en 2021. Prochaine diapo. Alors, le coup de cœur qu'on apporte à ce secteur, parce qu'on l'appelle notre coup de cœur, étant donné qu'on veut le transformer en secteur non valorisé, en secteur plus que valorisé, on parle d'un investissement de plus de 12,4 millions. Alors, c'est vraiment très significatif. Travaux d'ingénierie et d'aménagement, c'est de l'ordre de 5,9 millions. Et le projet immobilier, c'est toute la démarche, bien sûr, qui impliquait l'achat des bâtiments, la déconstruction, la décontamination et les menus travaux là, qui étaient associés à 6,5. Ça ne comprend pas ici les travaux proprement dit de construction de l'OMH qui s'additionnent à ce montant. Alors, donc, on peut comprendre que c'est vraiment une transformation très importante, un déclencheur comme nul pareil là, dans le temps de ce segment de rue-là. Prochaine diapo. Alors, on va vous présenter le vidéo que vous avez probablement déjà consulté par curiosité, mais ça vaut la peine de porter une nouvelle attention aux vidéos. Alors, voici notre vidéo. Nous sommes ici à l'approche de la rue Alexandre et donc on se dirige vers la rue Belvédère.
Donc, à droite, l'édifice de l'OMH, à gauche, les édifices existants, avec, bien sûr, toute la canopée que ma collègue Mme Dubuc nous a présentée, l'intersection à l'approche du parc avec la traverse piétonnière. Et on arrive bientôt à l'intersection Belvédère et Galt, bien sûr. Et on peut voir en plan de fond l'édifice de la Hooper. Autre simulation, mais dans l'autre sens, avec une vue directe sur le centre Sherbrooke. Bien sûr, le parc Alfred-Élie-Dufresne, la placette qui va meubler le parc, l'édifice de l'OMH, et nous approchons de l'intersection avec la rue Alexandre. Même présentation, mais de nuit, avec, pour me permettre d'apprécier l'effet un peu plus intime et un peu plus sobre de l'effet lumière de soir. Avec les différentes intersections, des petites rues à droite. Alors voilà. Je passe la parole à mon collègue David. Merci, M. Tremblay, M. Despaux, Mme Dubuc. Nous sommes dans les temps, donc... Bravo pour le respect de l'échéancier. Maintenant, on passe à la période d'échange. Je vous avais dit au début, avant la présentation, qu'on avait à peu près reçu une vingtaine d'interventions. On en a reçu pendant la présentation environ 20 autres interventions différentes. Donc, on est rendu à une quarantaine. On se donne toujours environ une soixantaine de minutes pour répondre à toutes vos questions, tous vos commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez encore poser vos questions et vos commentaires en remplissant le formulaire qu'on retrouve sur la page web où vous êtes présentement. Vous cliquez sur le bouton vert, vous remplissez le formulaire, donc c'est toujours temps de nous envoyer vos questions. On est là pour ça. On commence ça dès maintenant. On en a reçu quand même quelques-unes qui se regroupaient, des commentaires et des questions. Donc, on a tenté de les regrouper, d'en regrouper quelques-unes plutôt que de répondre chaque fois à la même question. Donc, je vais vous lire chacun des commentaires, chacune des questions en bloc et ensuite de ça, je vais céder la parole aux intervenants. Donc, je commence par un commentaire de M. Martin Côté. Je travaille à la place Belvédère. Pour moi, il est impensable d'enlever les feux de circulation à l'entrée du stationnement souterrain et de mettre un terre-plein central au même endroit, empêchant ainsi les véhicules venant de la rue Galt en direction est de tourner vers le stationnement. Maintenant, commentaire de M. André Custeau. Sur le même sujet, à la suite de la lecture du nouveau plan et du visionnement de la vidéo, on peut voir que l'entrée ou l'accès pour le stationnement intérieur de la place Belvédère sera inaccessible par la rue Galt-Ouest. Cette entrée est utilisée par de nombreux visiteurs du centre commercial. De nombreux, très nombreux véhicules arrivant des deux directions de la rue Galt y circulent et cela tous les jours. Est-ce que le plan d'aménagement est définitif? Il est important de laisser l'accès au stationnement inférieur. De plus, la rue Belvédère deviendra trop achalandée et ça rendra l'accès par la rue Belvédère très problématique. C'est déjà difficile d'accéder au stationnement extérieur par la rue Belvédère. L'entrée n'est pas faite pour toute cette affluence. Installez-vous devant l'entrée un jeudi soir sur l'heure de pointe et vous comprendrez très rapidement. Les gens de l'université qui circulent, les gens qui entrent pour les restos, les gens pour le maxi-club, ce sera incroyable les problèmes qui surviendront. D'autant plus que dans la descente du stationnement, la courbe est trop prononcée pour les gros véhicules. Pour le bien de la population, il est primordial de garder l'accès disponible. Maintenant, question de M. Sylvain Rabhi, toujours sur le même sujet. Dans son ensemble, le projet est magnifique.
Par contre, à la sortie du stationnement souterrain du centre Sherbrooke, je remarque que nous ne pourrons plus effectuer de virage à gauche vers l'est. Pourquoi ne pas laisser le terre-plein ouvert comme il est présentement afin de continuer de faciliter le virage vers la gauche? Je termine avec des questions de deux autres citoyens, toujours sur le même sujet. Pourquoi interdire les virages à gauche pour les gens arrivant de l'ouest? C'est une question de Mme France Rousseau. Donc, pourquoi interdire les virages à gauche pour les gens arrivant de l'ouest et qui veulent aller au sous-sol de la place Belvédère? Il y a déjà des feux de circulation. Si tout le monde doit y entrer par la rue Belvédère, ce sera le fouillis. C'est déjà assez difficile actuellement. Merci de tenir compte de l'avis des citoyens. Et maintenant, question de M. Donald Boivin, toujours sur ce même sujet. Je travaille au Maxi Club, donc je stationne mon véhicule dans le stationnement intérieur de la place Belvédère. Il est déjà très difficile de sortir du stationnement aux heures de pointe, malgré le fait qu'une lumière nous aide présentement. Si on enlève cette lumière et que l'on force tout le monde à se diriger vers la rue Belvédère, nous ne pourrons plus sortir. Qu'allez-vous faire pour éviter l'accumulation de voitures entre la lumière à l'intersection Galt-Belvédère et la sortie de ce stationnement? Est-ce que Mme Gravel, vous souhaitez répondre à ces interventions? Oui, certainement. Alors, ben merci de vos commentaires. C'est toujours intéressant de voir les inquiétudes des citoyens. Pour votre information, l'entrée du stationnement par la rue Côte-Ouest ne sera pas enlevée. Seul le virage à gauche va être impossible. Pourquoi le virage à gauche a été éliminé? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les deux intersections, celle de la rue Belvédère et cette intersection-là, sont très proches l'une de l'autre. De deux, on a, comme dit un peu plus tôt dans la présentation, c'est un endroit qui est excessivement accidentogène, dangereux à cause de la courbe et de la pente qui y est. Tous les accidents recensés sont des collisions par l'arrière et c'est dû à la position de cet accès-là. Maintenant, il faut comprendre que la place Belvédère a plusieurs accès. Oui, il va y avoir celui sur Belvédère Sud, mais il y a aussi l'accès au stationnement souterrain par l'arrière du bâtiment du Super C. On peut rentrer et accéder à ce stationnement-là par là et on pourra toujours y accéder par la rue Galt-Ouest, mais en provenance de l'Est. L'autre chose, sur la rue Belvédère, il faut que vous sachiez que sur la rue Belvédère, on fait dès cet été des travaux de synchronisation des feux de circulation de l'intersection de la rue Belvédère-Galt-Ouest jusqu'à la rue King-Ouest, ce qui va assurer une fluidité beaucoup plus grande. Et dernière chose, sur la rue Belvédère-Sud, à l'accès avec le feu de circulation qu'il y a pour le stationnement du centre Sherbrooke, il serait toujours intéressant dans un futur si la propriété privée pouvait être aménagée de façon peut-être plus adéquate pour recevoir les véhicules qui y entrent. C'est toujours un petit peu plus difficile du côté privé, et ça peut donner justement un très, très bel aspect dans le futur. Alors, voilà. Je vais ouvrir mon micro. Merci, Caroline. J'aimerais ajouter une chose tout à fait bien placée par ma collègue. C'est le fait aussi de faire de l'espace pour la piste cyclable, fait en sorte qu'on doit rééquilibrer l'emprise et comment on occupe l'emprise. Déjà, les voies de circulation ont été resserrées, proprement dit, mais le virage à gauche commande automatiquement une voie de refuge qui prend de l'espace physiquement pour pouvoir la mettre en place et qui vient, par le fait même, gruger les autres modes que l'on met en place, soit le vélo et les trottoirs bien réaménagés, plus, bien sûr, les banquettes là, ou les espaces de végétation. Donc, on a une double ou même une triple intervention par ce type d'aménagement qui fait en sorte qu'on rééquilibre l'ensemble de l'espace. Merci. Maintenant, deux questions de M. Luc Carrière qui concernent les pistes cyclables, justement. Première question, avez-vous prévu une piste cyclable sur la rue Galt-Ouest en direction ouest, passé la rue Belvédère? Donc, si je comprends bien, une piste cyclable vers le poste de police et l'université. En fait, si vous me permettez, sur une des images, nous avions un fameux triangle
qui était un espace, un endroit difficile justement à aménager pour la présence d'une piste cyclable compte tenu de la proximité beaucoup plus serrée des bâtiments, immédiatement la traversée là, de l'intersection Belvédère et Galt. Alors, c'est vraiment un aménagement sur lequel on va s'attarder éventuellement pour pouvoir trouver une solution permanente à cette question. Alors, tout à fait approprié comme question. Merci. Et deuxième question de M. Luc Carrière, toujours sur les pistes cyclables. Qu'arrivera-t-il pour les cyclistes en direction nord sur Belvédère Sud, passer la rue Galt-Ouest? Donc, des cyclistes qui viendraient du secteur Ascot et qui voudraient continuer tout droit vers l'intersection King-Ouest, par exemple. Caroline, tu veux-tu que j'aille à la réponse? Oui. Je vais proposer et tu pourras bonifier après moi si c'est nécessaire. Je te laisse cet espace. Au même titre que la question précédente, donc il y a des tronçons, il y a des segments qui ne sont pas encore complétés et qui font l'objet d'ailleurs d'analyses et de propositions là, qu'on met sur la table. Il faut aussi travailler par opportunité puis par adaptation aussi là, du milieu à bien accepter et bien intégrer ces espaces-là. Mais c'est un segment qui est important là, pour pouvoir faire les interconnexions, donc le fait de relier les pistes existantes et celles qui sont à venir. Oui. Alors, merci. Merci. Madame Gravel, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. La réponse était complète. Merci. Maintenant, un commentaire suivi d'une question de M. Gervais Bisson, propriétaire du salon de coiffure Coiffurium. Dans sa conception originale, la nouvelle configuration de la section Galt-Ouest porte préjudice au centre d'achat Belvédère, donc à l'ensemble des commerçants qui, comme moi, y louent des locaux. En effet, en raison du terre-plein et de la suppression des feux de circulation, nos clients provenant de tous les coins de la ville de Sherbrooke, en particulier des agglomérations plus au sud, n'auront plus la possibilité d'y accéder et d'en sortir facilement. Par exemple, les clients qui arrivent du sud et de l'est de Sherbrooke pourront toujours entrer par la rue Galt. Mais quand viendra le temps d'en sortir, ils devront faire un détour majeur, soit par les rues Belvédère, des Fusiliers ou par Alexandre, afin de reprendre la rue Galt vers l'est. Ceux qui arrivent du nord ou de l'ouest ne pourront pas entrer par la rue Galt en raison du terre-plein et de la disparition du feu de circulation. Yves Tremblay, urbaniste à la ville de Sherbrooke, m'a dit avec une certaine désinvolture et une méconnaissance du commerce en général, deux points, ouvrez les guillemets, les clients vont changer d'habitude. Fermez les guillemets. Certes, ils vont changer d'habitude. Ils vont surtout aller ailleurs. Il est déjà très difficile de tirer notre épingle du jeu avec la compétition que nous livrent les grands centres en périphérie. Il ne faudrait pas en plus que les élus municipaux et les fonctionnaires rajoutent des difficultés supplémentaires. Dans ces conditions, maintenant que le problème est exposé, que comptez-vous nous proposer pour le régler afin qu'aucun préjudice ne soit porté à nos commerces? Question très intéressante et effectivement, ça peut porter à partage des comportements et c'est un peu à ce niveau-là que je vais apporter ma réponse. Alors, il est bien entendu, comme je l'ai un peu mentionné dans la présentation, il y a une différence entre les commerces de destination où on planifie de se déplacer en allant spécifiquement à ce type de commerce, ce qui est le cas majoritairement pour les commerces qui sont au centre Sherbrooke. Donc, quand on fait notre déplacement, bien souvent, on planifie ou on fait notre cheminement dans notre tête pour dire, OK, quel déplacement que je vais faire? Et souvent, on va aussi accumuler un ou deux arrêts dans la course. Et c'est souvent le comportement qu'on peut avoir. Alors, il y a multiples situations. C'est pas une seule situation qui peut expliquer le phénomène, mais autant de clients, autant de formules, de déplacements, de choix et bien sûr de parcours qui peuvent être différents. Alors, il est évident que dans les premiers temps, et là on parle après les travaux de 2021, de devoir adapter une première fois, une deuxième fois, notre parcours d'accès vers le site, vers la place Belvédère ou le centre Sherbrooke. Alors, c'est aussi vrai que bien souvent, au même type, comme on a pu l'observer, dans d'autres tronçons de la King, qui comporte aussi des endroits avec des tronçons
En portant un terre-plein central, alors on a habitué nos déplacements, on a modulé ou on a modifié nos déplacements, dépendamment de quel côté on peut provenir. Mais ce qui est le plus important à retenir dans ce cas ici, et c'est un peu la fin de l'intervention ou de la question, on a un élément très important qu'on met sur la table aujourd'hui, c'est le choix qu'on a pris collectivement de donner beaucoup d'attention et d'amour à cet espace en lui offrant un réaménagement vraiment des nouvelles aspirations, mais surtout une transformation qui va être marquante, qui va être majeure. Alors, inévitablement, moi, je crois qu'un endroit qui est rénové, qui est restauré, attire aussi son lot de gens qui vont vouloir l'apprécier. Donc, il y aura assurément des opportunités à saisir là, dans ce contexte-là où le site ou l'ensemble du secteur va être valorisé ou revalorisé. Alors, voilà. Merci, M. Tremblay. Maintenant, un commentaire suivi d'une question de M. Éric Asselin. Son commentaire. Tout d'abord, félicitations pour ce projet qui revalorisera le secteur tout en se préoccupant des gens à plus faible revenu. Maintenant, la question. Existe-t-il un programme offrant des incitatifs afin de valoriser également le côté sud de ce tronçon de la rue Galt-Ouest? Plusieurs bâtiments sur ce tronçon bénéficieraient d'un programme favorisant leur rénovation. Oui, je peux effectivement répondre à cette question qui est très pertinente. On a deux programmes spécifiques qui existent à la ville. Le premier programme, on l'appelle PRQ pour Programme Rénovation Québec. Alors, Sherbrooke, la ville de Sherbrooke a pu obtenir de la part du gouvernement. On a repris finalement cette capacité-là depuis l'an passé. On a une marge de manœuvre là, qui nous permet de pouvoir répondre à des projets qui peuvent être de l'ordre de jusqu'à 4 millions. Donc, 25 % de la facture est couverte par le programme du côté municipal. 25 % de cette même facture de rénovation ou de restauration est couverte par le gouvernement. Et le 50 % restant, c'est le propriétaire. Donc, ça nous permet de pouvoir couper la facture en deux via la ville et via le gouvernement, ce qu'on appelle le programme de rénovation Québec. Deuxième programme, qu'on appelle communément POC, c'est le programme qui nous permet de pouvoir faire des réménagements, rénover des façades commerciaux, donc des édifices commerciaux ou des locaux, et aussi le local à l'intérieur. Et ce programme, c'est un programme qui est de l'ordre de 900 000 que l'on a encore cette année là, en application. Mais bien sûr, c'est premier arrivé, premier servi, donc ça va au fur et à mesure, bien sûr, là, des projets qui nous sont soumis. Et bien sûr, on accompagne les particuliers là, à la réalisation de leurs projets. Voilà. Merci. Maintenant, un commentaire et quelques questions de M. Marc Jalbert du Maxi Club. Dans le processus d'aménagement de la rue Galt-Ouest entre Alexandre et Belvédère, projet de valorisation que j'appuie en tant que commerçant qui soutient le secteur depuis plus de 35 ans, allez-vous prendre en compte les répercussions négatives et irréparables que va engendrer la disparition du feu de circulation et l'ajout d'un terre-plein à l'entrée du stationnement principal du centre commercial, le centre Sherbrooke? Cela rendra impossible l'accès direct à notre commerce et à l'ensemble des commerçants de la place via l'entrée du stationnement principal situé sur la rue Galt. Cela empêchera également l'accès et le retour à la maison de nos clients qui transitent de l'ouest et de l'est. Comment réagirait la direction de Simon du Carrefour de l'Estrie si on demandait à leurs clients de passer par l'entrée principale du centre d'achat pour accéder à leur magasin ou de fermer l'accès au stationnement intérieur du Carrefour donnant accès au magasin Labbé? Avez-vous considéré l'impact que subiront 80 % de nos 1200 clients qui entrent et sortent quotidiennement de notre gym entre 5 heures et 22 heures à partir du stationnement intérieur, dont 400 à 500 aux heures de pointe, pour accéder à la rue Galt? Ces derniers devront attendre un temps fou pour tourner sur une rue sans feu de circulation et bloquée par le terre-plein. Le bouchon créé par le feu de circulation Galt-Belvédère créera également un bouchon et une attente incroyable dans le stationnement, rendant ainsi la sortie impossible. Depuis 35 ans, notre mission première est la santé et la sécurité de nos clients. Nous desservons une grande clientèle à mobilité réduite qui aura la lourde tâche avec les véhicules adaptés de faire un virage en U sur la rue Alexandre et de revenir s'ils parviennent de l'ouest, de faire un détour vers Belvédère et de revenir vers Galt pour les clients retournant vers l'est, et cela à chacune des visites au centre,
ou d'accéder au stationnement intérieur en passant par l'étroit couloir du haut pendant nos mois d'hiver sur du pavage gelé. Sans compter l'inaccessibilité aux ambulances et premiers répondants de se rendre au centre par le stationnement inférieur en cas d'urgence en raison de la circulation très dense sur la rue Galt. En tant que l'un des locataires majeurs du centre Sherbrooke, dont 80 % de notre clientèle accède à notre commerce par la rue Galt, nous n'avons reçu aucune convocation pour exprimer notre point de vue sur ce projet ayant un impact déterminant sur notre commerce. Pourriez-vous m'indiquer la date, de quelle façon et à quelles coordonnées vous nous avez convoqués? Maxi Club compte plus de 8 000 membres, dont 1 200 clients qui fréquentent notre centre chaque jour, plusieurs fois par semaine. J'aimerais faire valoir mon point, mais si on ne m'entend pas, je n'hésiterai pas à lancer la pétition par courriel destinée à mes 8 000 membres ainsi qu'à nos 13 500 abonnés Facebook afin de faire entendre notre point de vue et de leur permettre de s'exprimer sur cette décision aberrante. En espérant que la réunion de ce soir est réellement une rencontre de consultation et que tout n'est pas déjà décidé. Je me demande ce que Commerce Sherbrooke pense de ces changements qui nuiront de façon irréparable à tous les commerces de la place Belvédère. Nous voulons continuer à garder en santé et en sécurité la population de Sherbrooke avec un accès direct au centre par l'entrée du stationnement principal. La fermeture de l'accès principal au stationnement par Galt est une mauvaise idée qui aura un impact négatif sur mon commerce et sur les autres commerçants de la place Belvédère. Si le projet va de l'avant, cela met en péril mon entreprise ainsi que celle des autres commerçants du centre qui bénéficient de notre flot de clientèle qui s'approvisionne chez eux. Il existe certainement une solution gagnante pour tous. Je peux prendre une partie de la réponse, mais je crois que je vais demander des suppléments de réponse par ma collègue Caroline et peut-être Bianca de la Fontaine qui a fait la participation Approche Commerce. Alors, il y avait beaucoup d'éléments dans le commentaire, mais il y avait une question principale à savoir si les éléments allaient être considérés ou si les questions soulevées allaient être considérées. Effectivement, on considère les questions, mais par contre, il faut toujours se rappeler que pour les éléments qu'on a soulevés dans la présentation, à savoir le volet environnemental, le volet du partage de la chaussée avec les autres utilisateurs, le volet, bien sûr, de la végétation, le volet sécuritaire aussi au niveau de la circulation en tant que telle. Alors, tous ces éléments-là, là, je ne vais pas les reprendre dans l'ensemble parce qu'on peut bien sûr revisiter la présentation qu'on vous a faite tout à l'heure, mais c'est ce qui nous commande et c'est ce qui nous amène au choix qu'on a pris. Par contre, il y a des petites interventions, ou en fait, pas des petites, mais il y a aussi des échanges qu'on prend ce soir justement pour analyser d'autres portées ou d'autres éléments, comme par exemple l'ouverture que l'on a fait vers le parc et puis l'effet du réaménagement, comment est-ce qu'on l'a pu le proposer. Ceci étant dit, du côté de la portion, puis vous avez mentionné beaucoup d'éléments sur comment les gens approchent, comment les gens vont quitter, la difficulté qu'il peut y avoir dans tout ça. C'est évident que ça va commander des changements et des comportements qui vont être différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Pour une certaine partie de la clientèle qui visite probablement votre commerce. Je vous rappelle qu'au même titre que d'autres endroits qu'on a aménagés, autant Sherbrooke que dans d'autres villes du Québec, le domaine public, ce qu'on appelle l'emprise ou la rue, ce qui est important, c'est de toujours s'assurer de préserver les entrées chartières, donc l'entrée ou les accès vers les propriétés riveraines, les propriétés qui sont de chaque côté de la rue. Alors, on doit toujours s'assurer que ces accès demeurent. Par contre, la façon de réaménager le centre de la rue et tout l'espace public, bien, ça, c'est vraiment un choix et c'est vraiment une compétence ville à prendre toutes les considérations. Autant ceux qui sont en façade immédiate de la rue, mais ceux aussi qui ont à traverser le tronçon en question ou le passage, ou les autres types d'utilisateurs là, qu'on doit protéger, sécuriser, puis bien sûr assurer au niveau de la mobilité, donc des déplacements d'un secteur à l'autre. Alors, c'est tout ça qui conditionne la présence du terre-plein dans ce segment de rue de façon très spécifique.
Alors, peut-être pour la portion un peu plus de circulation, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Caroline, sur les questions qui ont été demandées. Je peux juste rajouter que il a été souvent dit dans le texte là, de mémoire que l'accès était enlevé. Il n'est pas enlevé. Il va toujours être accessible lorsque les gens vont arriver de l'Est. Selon nos relevés qu'on a faits, on a à peu près sur le tronçon de la rue Galtouest, à cet endroit-là, il y a 18 000 véhicules jour qui circulent. Et il y a moins de 3 % de gens qui effectuent un virage à gauche pour entrer au stationnement souterrain. Par contre, il y a un petit peu plus de 4-5 % qui font un virage à droite pour y rentrer. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui déjà, plus de la moitié de la clientèle de ce centre-là, déjà accèdent par l'Est, en virage à droite. Donc, les gens qui actuellement font un virage à gauche, mais n'auront qu'à trouver un chemin alternatif pour pouvoir accéder à ce commerce de destination, comme ça a été dit un peu plus tôt. Et pour la portion rencontre commerçant, je crois, Bianca, tu peux apporter une précision. Merci. Oui. En fait, pour répondre à la question, dans un premier temps, on a rencontré les commerçants situés du côté sud de la rue Galtouest à la mi-mars pour leur présenter le projet avant que le projet ne soit présenté là, de façon publique. Spécifiquement pour le centre Sherbrooke, comme l'a demandé M. Jalbert, nous avons rencontré le gestionnaire du centre et il nous a mentionné qu'il souhaitait convoquer lui-même tous ses locataires. Donc, la rencontre avec les locataires a été fixée au vendredi 13 mars. Nous nous sommes déplacés sur place, nous étions disponibles pour les commerçants, mais malheureusement, il n'y a pas eu de présence à cette rencontre-là. Voilà. Merci. Maintenant, question de Mme Marie Boisvert. Je suis très contente des transformations que je vois sur le territoire de la ville de Sherbrooke depuis quelques temps. J'habite près du carré Belvédère et les aménagements qui y sont faits me plaisent au plus haut point, sans compter la nouvelle piste cyclable qui vient d'être faite sur la rue Belvédère Sud. Dans le projet, je vois des pistes cyclables surélevées le long de la rue Galtouest avec des arbres et de la verdure. J'avais toujours eu peur de circuler dans ce secteur, clairement en vélo, mais même en voiture. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser avec mes enfants et même de pouvoir aller faire mes commissions en vélo. Pouvons-nous avoir le détail de l'échéancier? Quand est-ce que nous pourrons y circuler? Caroline, je te laisse la réponse. L'échéancier, les travaux d'aménagement de la rue Galtouest, comme on a dit dans la présentation, se feront l'année prochaine, c'est-à-dire pendant la saison estivale 21. Donc, à la fin de l'automne 2021, on devrait être en mesure d'utiliser les pistes cyclables pour tous. Merci, Mme Gravel. Maintenant, deux questions de M. Vincent Bergeron. Les répercussions du projet sur les commerçants locaux ont-elles été évaluées? Si oui, quelles sont-elles? Sinon, n'êtes-vous pas d'avis qu'il serait très pertinent d'avoir leur avis avant d'aller de l'avant avec un tel projet? On va y aller avec cette question-là pour commencer. Oui, merci. En fait, c'est une excellente question et c'est aussi une question qui est appropriée à chaque fois qu'on fait une intervention de transformation où on a présence, par exemple, de commerce. Ça peut être la même chose pour le volet industriel ou le volet résidentiel, mais on va se concentrer sur le volet commerce. Alors, ce qui est probablement envisagé dans ce contexte-ci, quand on sera en 2021, on se rappelle que ce n'est pas cette année, mais vraiment plus tard à la prochaine année, c'est de faire un accompagnement au niveau des communications pour justement bien informer la clientèle dans l'approche, comment aussi vont se faire les travaux et comment sera disponible et accessible les espaces pendant la période des travaux, mais aussi après les travaux, pour justement bien comprendre les changements d'approche là, qu'on devra faire, dépendamment de la provenance. Alors, il y a vraiment une mise en place, comme on a commencé à faire d'ailleurs dans tous nos grands chantiers, d'accompagner les commerçants là, sur cette réadaptation versus les clients. Merci, M. Tremblay. Maintenant, la deuxième question de M. Vincent Bergeron. Et qui, je crois, va s'adresser à Mme Caroline Gravel. Vous avez fait réaliser 3 études de circulation pour le projet. Pouvez-vous rendre publics les résultats? Et si vous avez déjà obtenu les résultats, pouvez-vous nous en faire part? Oui, effectivement, on a 3 études de circulation. Les résultats des études de circulation vont être disponibles publiquement dès que les élus vont en avoir été saisis.
Donc, il y a deux études de circulation qui devraient leur être présentées prochainement. La troisième étude de circulation, c'est une étude de circulation qui regroupe l'ensemble des travaux qui sont faits sur le territoire du centre-ville. Donc, c'est une étude de circulation en évolution et les résultats se compilent au fur et à mesure des modifications qu'on fait sur le territoire. Donc, celle-là est évolutive et le rapport devrait arriver un petit peu plus tard, c'est-à-dire d'ici un an et demi ou deux. Merci. Maintenant, question de Valérie Boisvert. Je remarque que quand il est nécessaire de planter des arbres, ce sont souvent de petits arbres de 8-10 mètres qui sont choisis au lieu d'arbres nobles à grande canopée. Je comprends que ça prend moins de place, mais cela n'a pas la même valeur écologique. En fait, cela a très peu de valeur écologique. Selon vos plans, il me semble que ce seront de tels petits arbres qui seront plantés, surtout en bordure de rue ou dans le terre-plein central. Serait-il possible d'envisager de planter des arbres de grande canopée si ce n'est pas déjà prévu? Je vais répondre à cette question et mes collègues pourront compléter. Effectivement, le choix des arbres est très tributaire du souterrain. Donc, un arbre à grande canopée a aussi un grand déploiement au niveau des racines. Donc, ce sont des éléments selon les infrastructures urbaines souterraines que l'on doit considérer dans les choix des arbres. Et en emprise de rue aussi, c'est le même principe. Donc, ça fait partie des préoccupations, même si visuellement, ça peut être très intéressant. Et aussi, au niveau du grand déploiement, ça a aussi un impact au niveau des infrastructures souterraines. En ajout, alors ce qui est aussi intéressant, merci, alors ce qui est aussi intéressant, ça va pour le retour de son, oui. Alors ce qui est aussi intéressant, en addition de l'information de ma collègue Dubuc, ma collègue Ingrid, alors c'est le fait qu'on aille enfouir le filage électrique aérien, et tout ce qui est câble de distribution va nous permettre de pouvoir se donner une meilleure chance d'avoir des arbres avec un peu plus d'amplitude, mais comme a bien répondu, aussi bien informé Ingrid pour comment se comporte aussi le sous-sol, les deux sont à considérer. Il ne faut pas oublier aussi qu'on rajoute des arbres dans le parc où là, on n'aura pas de contraintes particulières, où on pourra avoir des arbres à grand déploiement, justement, qui vont venir meubler et compléter l'espace parc. Merci, M. Tremblay. Mme Dubuc. Deuxième question de Valérie Boisvert. Pourquoi y a-t-il besoin de décontamination du site? Je vais répondre. Du fait là, qu'on retrouve une transaction, c'est automatiquement une obligation dans les transactions de propriété qui doit être vérifiée. Puis après vérification, on a effectivement trouvé quelques secteurs là, qui doivent être décontaminés, mais à un niveau de décontamination très important parce qu'on va y installer le volet résidentiel au-dessus. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut faire de la décontamination du site là, pour le rendre approprié à la nouvelle réimplantation de l'OMH. Juste en complément, ce sont des normes du ministère de l'Environnement qui sont appliquées en fonction de l'utilisation des différents sites. Et on se rappelle que c'est un secteur à un passé industriel, donc on suit les normes du ministère, on les applique et ce sera le cas dans plusieurs de nos travaux au centre-ville. Les autres travaux, entre autres sur la Ouelle Sud, doivent aussi être décontaminés. Et je termine, merci, je termine par toujours Valérie Boisvert, un commentaire en réalité. Qui se lit comme suit. Bravo pour les transports actifs. Alors voilà. Maintenant, commentaire de M. Patrick Ménard. Je trouve le projet Galt West très pertinent et bénéfique pour le secteur. Cependant, étant propriétaire d'une clinique de réadaptation située au Max Club de Sherbrooke, ISO Santé, nous considérons essentiel de maintenir un feu de circulation et un espace dans le terre-plein donnant un accès direct au stationnement couvert du centre Sherbrooke par la rue Galt West. Sans cet ajustement, l'accès sera beaucoup plus complexe et nous craignons une baisse de clientèle liée à ce facteur. Il est important de considérer cet élément majeur. Merci. Donc, maintenant, trois questions de M. Michel Moisan. Et je crois que ça s'adresse à Mme Bouliane de l'OMH. Quand pourrons-nous faire une demande de location pour un logement dans le nouveau bâtiment et quel sera le coût?
Les citoyens qui désirant un logement subventionné peuvent déjà s'inscrire à l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke et choisir ce bâtiment. Pour ce qui est des logements non subventionnés, nous ne prenons pas les inscriptions pour le moment. Les renseignements seront disponibles sous peu sur notre page web, dont je peux vous donner l'adresse. C'est www.omhsherbrooke.qc.ca. Merci. Deuxième question de M. Michel Moisan. Avez-vous prévu des locations pour des membres de Vétérans Canada Estrie afin d'améliorer notre retraite bien méritée? Le règlement d'attribution des habitations à loyer modique, la Société d'habitation du Québec, auquel nous devons nous conformer, ne prévoit pas de priorité pour ce type de clientèle. Et merci. Troisième et dernière question de M. Moisan. Pouvons-nous louer un 4,5 dans ce bâtiment, même si nous sommes seuls? Le bâtiment qui sera construit sur la gare ne dispose d'aucun logement de grandeur 4,5. Cependant, nous offrons 107, 3,5, 5, 5,5 et 4, 6,5. Parfait, merci. Maintenant, trois questions de M. André Renaud. Est-ce qu'une étude de circulation a été faite dans ce secteur? Je crois qu'on a répondu déjà à la question, mais je vais. Donc, on parlait de trois études de circulation. Je vais continuer, puis si Mme Gravel voulait aborder ce point dans la réponse, vous pourrez le faire par la suite. Comment pourra-t-on accéder au commerce du côté sud de la rue Galt lorsqu'on roule du côté nord? Ces commerces sont des commerces de destination et les gens devront rouler du côté sud pour y accéder, comme c'est le cas sur King West. Les gens pourront donc aisément y accéder, mais par un chemin différent. Est-ce qu'il faudra faire demi-tour à la rue Belvédère, passer par la rue Saint-Martin ou Short? Est-ce que ces rues sont prêtes à accommoder le surplus de trafic et de stationnement? Madame Gravel? En fait, je crois que dans la question, il y a une partie de la réponse. Effectivement, les gens qui veulent accéder au commerce du côté sud devront circuler dans la voie sud pour pouvoir leur accéder au commerce. Donc, ils devront prendre un chemin différent pour, s'ils arrivent de l'est, réussir à accéder au commerce du côté sud. Comme on le disait si bien dans la présentation, ce tronçon de la rue Galt-Ouest est situé dans un quadrilatère énormément desservi par des voies routières. Donc, il est toujours possible de prendre un chemin alternatif pour pouvoir se rendre du côté sud de la rue Galt-Ouest. Merci. Maintenant, dernière question de M. André Renaud. Est-ce que les commerçants ont exprimé des craintes face à une baisse potentielle d'achalandage vu l'impossibilité de traverser la route ou de s'y stationner? Je peux prendre une partie de la réponse. On a eu déjà dans les questions des inquiétudes, alors ça donne une réponse déjà à la question. Par contre, nous savons que le comportement client, majoritairement, lorsqu'ils traversent des secteurs qui sont valorisés et qu'ils apprécient, ça permet effectivement de créer l'achalandage et le désir d'y passer et puis de le traverser. Donc, certainement là qu'il y aura une période d'ajustement qui peut se passer. D'ailleurs, le moment de la construction va être aussi un moment quand même particulier à traverser, comme dans tout chantier sur la rue, sur toutes les rues. Comme on le fait d'ailleurs sur l'an passé, si on se souvient, puis Caroline, tu pourras m'aider dans cette réponse, parce que tu l'as bien géré, mais toute la question de Grande Fourche, intersection Grande Fourche et King, ce qui a été justement avec des alternatives de passage, le temps des travaux, l'accompagnement qu'on a fait aussi avec les commerçants et puis le rétablissement par la suite, fait en sorte que c'est un peu le même exercice là, qui va se faire là, dans ce contexte-ci. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Caroline. Oui, je voudrais juste ajouter que pour ce qui est du stationnement, actuellement, sur la rue Galt-Ouest, il y a 25 stationnements. Yves, ton micro est fermé? Merci. c'est ça, sur la rue Galt-Ouest, actuellement, il y a 25 stationnements et selon nos études d'occupation, 16 % sont occupés quotidiennement.
Évidemment, ce 16 %-là est une moyenne sur ce qu'on a relevé autant les soirs que les jours que les fins de semaine. Et il y a 81 cases de stationnement disponibles sur les rues environnantes, c'est-à-dire Saint-Pierre, Saint-Antoine, Saint-Louis et La Roque. Et seulement un taux de 5 % a été enregistré lors de nos relevés. Donc, il y aura amplement de place pour stationner les véhicules qui ne pourront plus être sur garde sur les rues périphériques. Et on regarde pour modifier peut-être les sens de circulation sur ces rues-là pour permettre que ça soit plus agréable d'y stationner et d'y circuler. Dans le futur. Merci. Commentaire de M. André Lessard. Je trouve la vidéo fantastique pour les vélos. Le plan vélo doit demeurer tel que la présentation, sans être diminué. Ce projet et d'autres projets en lien avec le vélo font de Sherbrooke une ville cycliste qui sera encore active en mode vélo dans 100 ans. Le vélo est là pour toujours. Merci. Ensuite, commentaire qui sera suivi de questions de M. Marc Bureau du commerce Maison, Bureau et Bureau. Si le projet était réalisé comme tel, il deviendrait une grave menace pour la survie des deux commerces que notre famille exploite à cet endroit depuis près de 50 ans. Et de ce fait, il diminuerait la valeur commerciale de notre propriété du 600-602 Galt West, qui comprend magasins et entrepôts dont la superficie dépasse les 50 000 pieds carrés. Le projet aura pour effet de rendre l'accès à nos commerces plus difficile pour la clientèle, surtout pour les clients qui arrivent de l'Est et ceux qui repartent vers l'Ouest ou le Nord. Il forcera l'allongement des routes de livraison partant des commerçants occupants vers ses clients en ajoutant des détours obligatoires. Et, pire encore, il rendra impossible l'accès pour l'approvisionnement des commerces par les camions-remorques de 53 pieds. Cela nous semble bafouer nos droits historiques alors que les camions ont toujours entré par la rue Galt West pour ensuite sortir par la rue Saint-Antoine. Est-ce que vous souhaitez dès maintenant répondre à cette préoccupation-là? Oui, on peut répondre, Monsieur Bureau, évidemment, on est conscient que vous avez des livraisons et l'équipe technique devrait vous contacter sous peu, dès que la conception va être suffisamment avancée, pour regarder les modélisations qui ont été effectuées et ce détail-là. Donc, vous allez être contacté très prochainement là, par les équipes techniques de la Ville de Sherbrooke pour faire le suivi là-dessus. Concernant l'accès, bien évidemment, les gens qui sortent de votre commerce puis qui veulent s'en aller vers l'ouest, bien, ils devront tout simplement à l'intersection de Alexandre s'en aller vers la rue Alexandre vers le nord, puis prendre un autre accès pour revenir vers l'ouest. C'est vers l'ouest. Ils sont tellement quadrillés qu'ils vont être capables de trouver leur chemin. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Merci. Monsieur Bureau avait une autre question aussi. Ça se lit comme suit. Une fois le stationnement sur rue enlevé, à quel endroit se stationneront les utilisateurs du parc Alfred-Élie-Dufresne, dont ceux de la patinoire bleu-blanc-bouge? Ce serait injuste de nous forcer à fournir le stationnement réservé à nos clients pour ce faire. Il nous semble que la Ville doit pouvoir subvenir aux besoins de ses propres installations. Désolé, je vais ouvrir mon micro. Alors, une première partie de la réponse est dans le fait que la patinoire bleu-blanc-bouge a été implantée là justement par la caractéristique du quartier en tant que tel. Donc, un quartier qui était identifié comme un quartier défavorisé selon les critères de la Fondation du Canadien pour l'enfance. Donc, ça ne change pas. C'est toujours aussi un accès pour l'école, La Roque, principalement, parce que c'est aussi une organisation qui prône la relation école-patinoire là, pour ce qui est de la glace du bleu-blanc-bouche. Deuxième élément, on a ma collègue Ingrid, dans la présentation, dans la visite qu'on a fait virtuelle tout à l'heure, a parlé d'un débarcadère qui permettra, là, en façade, de pouvoir laisser ou déposer, bien sûr, momentanément, le jeune ou plutôt les enfants qui voudront, bien sûr, accéder à l'installation. Pour ce qui est des stationnements, il y a des stationnements périphériques, il y a aussi du stationnement qu'on peut prendre à proximité, mais on regarde, comme l'a mentionné tout à l'heure ma collègue Caroline, les petites rues perpendiculaires pour voir à optimiser dans une autre configuration qu'il pourra avoir, mais ça ne fait pas l'objet de la présentation de ce soir, mais on a effectivement en référence ce besoin pour pouvoir y répondre.
D'où, entre autres, la nécessité d'avoir une traverse piétonne protégée, sécurisée et vraiment confortable pour le piéton pour pouvoir accéder d'un côté à l'autre de la rue, advenant le cas que le stationnement se proposerait là, du côté sud, par exemple, là, de la gare ouest. Voilà. Merci. Caroline? Oui. Tu peux prendre, je te laisse répondre, Caroline. Il faut comprendre que c'est sûr que la ville de Sherbrooke ne s'attend pas à utiliser des stationnements privés pour ses citoyens puis pour l'accès à son parc. Mais on a aussi un stationnement sur la rue des Fusillés qui appartient à la ville de Sherbrooke et qui est accessible pour nos citoyens et qui est tout près du parc Élie Dufresne. Merci. Question maintenant qui s'adresse, je crois, à M. Dobson. Question de Mme Sarah Cournoyer. Quels sont les gains pour les usagers du transport en commun dans ce projet? Monsieur Dobson ou Monsieur Tremblay? Au choix. Je vais laisser Monsieur Dobson, comme on ne l'a pas encore entendu. Là. Bonsoir, merci pour la question. En fait, il y a plusieurs gains. Par exemple, on va sécuriser davantage la rue. Donc, ça facilite l'accès pour les gens qui marchent, pour les gens à vélo, donc le transport actif. Donc, pour se rendre à l'autobus, on a besoin d'infrastructures qui sont accessibles et qui sont sécuritaires. Donc, cette portion de rue-là va répondre à ce besoin-là. On va favoriser le transport actif également. Au niveau de la fluidité de la circulation, en interdisant le virage à gauche, il n'y a plus de voie, puisqu'on a besoin d'espace hein, pour les pistes cyclables. Donc, ça va favoriser la fluidité et donc faciliter le déplacement pour nos autobus. Donc, c'est, je dirais, fluidité, accessibilité et sécurité sont les éléments clés qui vont favoriser le transport en commun. Merci. Merci. Maintenant, trois questions de M. Benjamin Bureau du commerce Maison Bureau et Bureau. Première question, est-ce que l'accès sera possible pour le camion de 53 pieds qui va se rendre à l'entrepôt du 600 rue Galt Ouest, meubles, bureaux et bureaux? Madame Gravel, voulez-vous rajouter quelque chose à ça ou on a répondu tantôt? Ça a déjà tout été dit, oui. Parfait. Maintenant, quel est le trajet proposé pour un client qui arrive de l'Est sur la rue Galt Est et qui souhaite accéder au stationnement de nos commerces? Il doit circuler sur la partie sud de la rue, donc il peut passer par King West, Belvedere et Galt Ouest ou prendre la Rock, Short, Belvedere Sud et Galt Ouest. Ne pas oublier que le commerce en est un de destination, les gens y accéderont seulement de façon différente. Bravo, c'est une belle réponse. Je crois que j'ai fourni un élément de réponse dans la question. Donc, je recommence. Quel est le trajet proposé pour un client qui arrive de l'Est sur la rue Galt-Est et qui souhaite accéder au stationnement de nos commerces, donc au 602 rue Galt-Ouest? Madame Ravel, souhaitez-vous Moi, je recommande que tu lises la réponse. Pour que les gens comprennent, on avait déjà répondu dans le document que je suis en train de lire et j'ai lu la réponse qui était proposée. Pour les gens qui arrivent de l'Est, ils devront. Ben, il y a plusieurs trajets, évidemment, mais je peux vous en nommer quelques-uns. Le premier trajet à l'intersection Galt et Alexandre ou La Roque, ils peuvent tourner sur La Roque, prendre Short et revenir sur Belvedere Sud et revenir sur la voie sud de la rue Galt-Ouest. Ils peuvent aussi choisir de faire de l'autre côté, c'est-à-dire de prendre Alexandre et d'aller prendre des Fusillés, de revenir sur Belvedere Sud pour reprendre le trajet dans le bon sens. Ils pourraient aussi décider un peu en amont de prendre la rue King West. Il y a plein de trajets qui peuvent se faire. On pourrait passer par Wellington, la côte Acadie. L'idée, c'est de prendre un autre trajet pour revenir sur la voie sud de la rue Galt-Ouest. Et ça se fait partout sur le territoire, là, comme mon confrère M. Tremblay a dit tantôt, on en a sur la rue King West partout et ça a été aussi une grosse modification qu'on a fait au coin King Jean-Cartier. Les gens se sont adaptés, puis puisque c'est un commerce de destination, ils vont trouver leur chemin.
Merci. Ensuite, dernière intervention de M. Benjamin Bureau. Des compromis acceptables sont possibles pour permettre à tous les utilisateurs de bénéficier de ce projet. Si rien n'est fait, nos clients depuis 1971 à cette adresse seront directement pénalisés. De plus, refuser de faire l'aménagement nécessaire contredit le désir de voir la communauté charlevoixoise faire des achats locaux dans les commerces de proximité. Le succès des commerces au centre-ville est présentement un enjeu et les changements proposés vont accélérer et accentuer cette problématique de manière irréversible pour les commerces situés au 600 et 602 rue Galt-Ouest. Réduire l'accès au 600 et 602 rue Galt-Ouest tel que proposé provoquera une baisse d'achalandage qui nous permet difficilement d'envisager la poursuite de nos activités. Comment justifiez-vous les aménagements proposés au détriment de nos commerces? Je vais prendre la réponse ou je vais proposer une réponse. Tout à l'heure, il y a une question concernant les programmes, entre autres, qui nous permettent de pouvoir renouveler les façades, les locaux commerciaux. Je crois que le fait de travailler sur le domaine public, donc de mettre l'espace là, très invitant au goût du jour, mais surtout aux aspirations de demain dans la façon de réoccuper l'espace public, vélo, piéton et bien sûr transport en commun efficace, surtout sécurité, fluidité, bien important de retenir. Ça stimule toujours les propriétés environnantes. Dans ce cas-ci, meubles, bureaux, bureau fera partie effectivement de cet appel au stimuli. Il a été mentionné que l'institution est là depuis les années 70, donc ça fait déjà beaucoup d'années qui sont installées. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est qu'il est connu, reconnu, et ça ne disparaîtra pas demain matin, au contraire. Donc, la clientèle établie va poursuivre sa visite à coup sûr, parce que je crois que la vraie réponse, c'est la qualité du commerce en tant que tel au niveau des biens et des services qui sont offerts. Ça ne disparaît pas. Maintenant, le programme que la Ville ou les programmes que la Ville offre aussi d'accompagnement pour les entreprises privées au niveau de ces programmes de rénovation, bien, ils disparaissent, ils sont encore là aussi, et ça vient donner un élément supplémentaire de renouveau même sur les implantations qui sont déjà en place de part et d'autre. Donc, il y a vraiment un environnement favorable au renouveau et on est persuadé que les commerces du secteur seront en bénéficier, seront en profiter largement et on l'espère d'ailleurs. Merci. Merci. Il nous reste environ une quinzaine de minutes pour les questions. On a encore plusieurs questions qui nous sont parvenues. Donc, je vais tenter de faire la lecture quand même rapidement et on va peut-être tenter de répondre, faire des réponses courtes également. Donc, commentaire et question de M. Fabien Burnotte. Les bandes cyclables unidirectionnelles en bord de rue dans le sens du trafic sont très appréciées. C'est la bonne façon de faire. Une bonne fluidité pour un déplacement rapide à vélo, très sécuritaire pour les cyclistes et les automobilistes, car de circuler dans le sens du trafic est facilement prévisible pour tous, particulièrement pour tous ceux qui accèdent à des rues transversales. On regarde naturellement d'où vient le trafic, soit en auto ou en vélo. De plus, les bouches d'égouts pluviales sont en bord de rue et non dans la bande cyclable. Aussi, cette bande cyclable éloigne les voitures des trottoirs et améliore la qualité de vie et le sentiment de sécurité des piétons, été comme hiver, en les protégeant de la gadoue. Bravo pour le transport actif. Cette conception amène aussi une facilité de déneigement de la bande cyclable par les déneigeuses avec une lame de côté à coût quasi nul. Maintenant, ma question. Puisqu'il y a de plus en plus de cyclistes à Sherbrooke, été comme hiver, sera-t-il un jour prévu de maintenir ouvertes les bandes cyclables l'hiver et de déneiger les grands axes? Je vais laisser la parler. Oui, M. Burnotte, c'est tout à fait quelque chose qu'on est en train de regarder avec le service d'entretien voirie, quelque chose qui serait très intéressant puis qu'on voudrait mettre en application dans les prochaines années. Merci. Maintenant, commentaire suivi d'une question de M. André Veilleux. Notre entreprise Pièces d'auto Sherbrooke est en activité à cet endroit depuis 1977 et une vingtaine d'emplois en dépendent. À ma compréhension, nous perdrons les places de stationnement et l'accès à notre commerce deviendra un casse-tête pour nos clients et pour les camions de livraison.
Nous croyons qu'il est primordial que les changements apportés tiennent compte de notre commerce et nous savons tous qu'une expérience client négative peut mener une entreprise à sa perte et ce, très rapidement. Est-ce que la survie des commerces de notre secteur vous tient à cœur? Je vais répondre. Oui, votre fonctionnement, vos stationnements, les camions qui doivent accéder à votre commerce seront considérés. Comme j'ai dit un peu plus tôt à M. Bureau, nos équipes techniques, lorsque la conception va être suffisamment avancée, vont vous rencontrer pour voir exactement vos opérations et s'assurer que rien n'entache les opérations de votre commerce. Maintenant, il faut ne pas sous-estimer l'effet du nouvel aménagement et de l'expérience client, justement, qui va être créée avec ce que nous allons faire sur la rue Galt-Ouest par rapport à ce qui est existant actuellement. Donc, au contraire, nous croyons que le « wow » qu'on va donner à ce tronçon de rue-là va faire que beaucoup plus de gens vont avoir le goût d'y aller, d'y accéder, d'y vivre et d'y faire des affaires. Merci, Mme Gravel. Donc, si je comprends bien la réponse aussi, c'est que Mme Gravel, vous confirmez qu'on va communiquer avec le commerce meuble bureau et bureau pour l'accès aux camions de 53 pieds. Là, donc, on va communiquer avec le commerce prochainement à ce sujet-là. Tous les commerces qui sont là, meuble bureau et bureau et le garage là, qui vient de poser la question. Parfait. Merci. Maintenant, question de quel côté? C'est pour Mme Bouliane de l'OMH. Quel sera le coût par mois des loyers pour le bâtiment qui sera construit par le parallèle de l'habitation sociale, le bras immobilier de l'OMH? Au moment qu'on se parle, c'est difficile d'établir un prix de loyer puisque nous n'avons pas encore été en appel d'offres auprès des entrepreneurs généraux de la région. Donc, cependant, ce que je peux confirmer, c'est que le prix des loyers sera situé sous la barre du loyer médian. Le loyer médian, ce n'est pas une moyenne des prix de logement pour, si on prend un 3,5 dans la ville de Sherbrooke, par exemple, si on parle d'un loyer qui se loue à 800 $ puis un qui se loue à 300 $ on ne fera pas la moyenne des deux. Le loyer médian, c'est celui qui va se retrouver à peu près entre le plus haut et le plus bas. Donc, la façon que nous, on fonctionne, suite à l'appel d'offres, c'est sûr que ça va être plus facile pour nous d'établir un prix de loyer qui sera sous le loyer médian. Parfait, merci. Question de Mme Sonia Gauthier. Bravo à tous les intervenants reliés à ce projet. Je crois qu'il devient prioritaire que le centre Sherbrooke revoie l'entrée de son centre commercial, étant donné la présentation des modifications du réseau routier véhiculaire. Étant une utilisatrice régulière depuis les 20 dernières années, je sors trop souvent du stationnement rue Belvédère insatisfaite, ce qui d'ailleurs est très déplorable puisque l'offre commerciale est plutôt satisfaisante. Je cite en exemple les commerces à proximité, la place Lagarde, boulangerie et café, etc. Donc, j'avais dit question et je me rends compte que finalement, on parlait plutôt d'un commentaire ici. Maintenant, Mme Amélie Fréchette. Très beau projet, pardon, j'ai deux questions. Serait-il envisageable de retirer la voie automobile de droite sur Galt à l'ouest de l'intersection Belvédère afin de permettre la continuité sécuritaire des déplacements à vélo en direction ouest à partir du nouvel aménagement? Je ne comprends pas l'utilité de cette deuxième voie puisque les deux voies automobiles fusionnent quelques centaines de mètres plus loin. Alors, il me semblerait avantageux de l'utiliser pour rendre ce segment plus sécuritaire. Il est très dangereux présentement. Donc, on parle de la voie près de l'ancienne Hopper, si je comprends bien. Est-ce que ce serait envisageable de retirer cette voie-là? On peut juste dire que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. C'est une question des synchronisation des feux piétons à cet endroit-là. Donc, on devra regarder, évidemment, pour continuer la voie cyclable. Monsieur Tremblay l'a dit un petit peu plus tôt, là, c'est dans le triangle qu'on doit analyser dans les prochaines années.
Deuxième question. Y aura-t-il un lien entre la bande cyclable côté nord du nouvel aménagement et la piste qui relie la rue Aberdeen et le marché de la gare? Oui, il va y avoir un lien au travers du parc Élie Dufresne. Donc, on peut passer, on l'a montré un petit peu plus tôt dans la présentation. Si vous pouvez vous repasser la présentation, dans une des diapos, on montrait le trajet en pointillé rouge là, de la piste cyclable qui rejoint la rue Aberdeen. Alors oui, ce sera possible au travers du parc via la rue Alexandre et la rue Aberdeen. Merci. Commentaire de, j'espère que je vais le prononcer comme il faut, Sin Van. Pour la survie de mon commerce, je suis en désaccord avec la création de la piste cyclable, car on a besoin de stationnements supplémentaires sur la rue pour permettre à mes clients de charger plus facilement de gros achats lourds, comme par exemple des poches de riz de 20 kg, des poches de farine de 20 kg, etc. On a seulement 5 places de stationnement. Les logements 494 et 496, je présume de la rue Galt-Ouest, prennent 3 places. Donc, il ne nous reste que 2 emplacements pour nos clients, ce qui est insuffisant. De plus, pendant l'hiver, on perd jusqu'à 4 places de stationnement pour déposer la neige. Le stationnement sur la rue nous est nécessaire pour les gros camions de livraison 10 roues. Est-ce que vous souhaitez réagir? Comme oui, je peux le faire en partie. Peut-être ma collègue Gravel, Caroline, pourra bonifier ma réponse. Effectivement, c'est un élément très particulier et très pointu qu'on pourra regarder de plus près là, en fonction des options qui peuvent s'offrir dans un contexte comme celui-là. Alors, je pense que ça pourra être analysé au moment du design final de l'ensemble du projet. Je ne sais pas si Caroline, tu veux rajouter quelque chose? C'est complet? Elle me fait signe que c'est complet. Parfait. Question de M. Michel Bourque. À quel endroit les clients des commerces du côté sud de la rue Gard pourront-ils se stationner? Ils pourront se stationner sur les rues périphériques, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt. On a fait des études du taux d'utilisation des stationnements sur la rue Galt-Ouest, de même que sur ceux des rues, le taux d'occupation des stationnements sur les rues périphériques. Et il y a amplement de place, là, autant sur la rue Saint-Antoine, Saint-Louis, la rue Larocque et j'en oublie une, Saint-Pierre. Donc, les gens pourront se stationner là. Merci. Commentaire de Mme Jacinthe Caron. Je trouvais important de rééquilibrer ce qui est ressorti sur la fluidité des déplacements. À propos de toutes les préoccupations relatives à la fluidité de la circulation automobile, n'oublions pas toute la clientèle à pied ou à vélo qui bénéficiera de ces aménagements et qui fréquenteront davantage le centre Sherbrooke. Une partie de la clientèle choisit probablement de venir en auto parce qu'il n'est pas sécuritaire de s'y rendre à pied ou à vélo. Une large partie des citoyens ne se déplace pas de manière active justement pour des raisons de sécurité. Pour moi qui habite le secteur, je constate que les citoyens s'y déplacent beaucoup à pied. Ces aménagements nous seront bénéfiques. Ce projet démontre selon moi un virage important et visionnaire. On arrête de tout penser en fonction d'automobile car les autres modes de transport prennent de plus en plus de place et en prendront davantage si on leur laisse une place conviviale dans les voies de circulation. Maintenant, question de Valérie Roy. Pourquoi ne pas faire un toit vert à l'OMH pour diminuer les îlots de chaleur? Est-ce que Mme Bouliane, vous souhaitez répondre? Absolument. Un toit vert est déjà prévu. Quand on regarde la vidéo que vous avez présentée tout à l'heure, on voit le toit est blanc. C'est une membrane blanche. Alors, déjà là, cette membrane fera en sorte de diminuer les îlots de chaleur et il est prévu aussi d'ajouter quelques... on est en train de penser à tout ça, là, mais d'aménager là, des sections, comment je pourrais dire, là, plus vertes pour l'environnement. Merci. Commentaire de Mario Brouillette. Je trouve inacceptable de mettre un terre-plein devant l'entrée du stationnement intérieur de la place Belvédère. L'accès à la clinique de réadaptation ISO-Santé dans le Maxi-Club sera inaccessible en provenance de l'Ouest et nous fera perdre une énorme clientèle. Un autre commentaire maintenant de M. Réginald Langlois. Félicitations pour votre beau projet Galt-Ouest. Très bel aménagement et les espaces verts sont très appréciés.
Question de Maxime-Édouard Crête. Encore des toits plats. Il faut absolument les exploiter et aménager un accès, donc une terrasse pour les résidents de l'immeuble. Puis le végétaliser. On fait un lien avec ce que Mme Bouliane vient de dire ici. Donc, végétaliser le toit prévient les îlots de chaleur, sauve, économise sur le chauffage et la climatisation. C'est plus éco-énergétique, éco-responsable, ça permet de faire un potager, ça coûte peu cher à faire. Les résidents apprécieraient beaucoup, j'en suis sûr. Une membrane blanche est nettement insuffisante et plus efficace, surtout à long terme. Le projet de logements sociaux ici est fantastique. Mais s'il vous plaît, ce projet ne doit pas acheter notre conscience et notre satisfaction. Il en faudrait beaucoup plus sur différents modèles. Il nous en faudrait 120 logements sociaux chaque année pour au moins 7 ans de suite. Et on ajoute une question ici. Pourquoi les gens expropriés n'auront pas priorité pour les logements sociaux? Je vais répondre à cette question. Quand on a débuté les discussions pour ce projet, tout ça a été regardé avec tous les intervenants communautaires de la ville de Sherbrooke. Je peux vous assurer qu'après vérification, tous les gens qui y habitaient étaient admissibles et étaient inscrits sur les listes de l'office municipal. Puisqu'ils ont été, ils ont dû déménager, ces gens-là, on verra avec eux s'ils sont intéressés à revenir. Ils sont toujours admissibles à habiter cet immeuble. Merci. Maintenant, question de Mme Martine Staller. Que va-t-il se passer sur le tronçon entre Alexandre et la rue fédérale en termes de déplacement cycliste? C'est effectivement un tronçon qui est difficile à aménager. On a beaucoup, on a un enjeu important. C'est sûr qu'on doit s'y attaquer. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il va y avoir une passerelle le long du pont Joffre pour les cyclistes. Et de l'autre côté de la rue du pont Joffre, en fait, là, du côté de la rue Galtès, il va y avoir aussi dans les prochaines années des aménagements importants pour les cyclistes de ce côté-là. Donc, il va nous rester ce tronçon-là à traiter sur lequel on va se pencher dans les prochains mois. Merci, Mme Gravel. Maintenant, question de Mme Hélène Forget. Peut-on faire des pistes cyclables? Pardon. Peut-on faire pistes cyclables près des pistes piétonnières et non près des Peut-on, ah, je comprends maintenant la question, pardon. Est-ce qu'on pourrait faire les pistes cyclables plus près du trottoir et non près des automobiles? En fait, une partie de la réponse a été donnée tout à l'heure, entre autres par une question de M. Burnot ou un commentaire. Le fait de dégager la piste cyclable de la voie véhiculaire, de la rapprocher du trottoir et avec une bande de gazon, c'est un choix. L'autre choix, par contre, de la placer en parallèle de la voie véhiculaire avec une surélévation et un marquage très, très précis avec la présence de béton clair là, qui fait le départage là, visuel, bien, nous permet de pouvoir assurer un déneigement, on pense à l'hiver, un déneigement beaucoup plus facile et facilitant au lieu de faire un déneigement dans une deuxième opération pour ce qui est du trottoir, par exemple. Donc, c'est vraiment une question d'efficacité et aussi de proximité au niveau des types de matériaux. Parce que, comme on l'a pu voir sur l'image, c'est de l'espace asphalté, mais mis dans un corridor un peu surélevé par rapport à la voie routière, à la voie véhiculaire là, que l'on connaît. Merci. Commentaire de Mme Amélie Fréchette. Magnifique projet. Ce gain de sécurité pour les transports actifs dans ce secteur est plus que nécessaire. Bravo et merci pour votre présentation. Maintenant, question de Adèle Sarraoui. Pourquoi la ville n'exige pas dans les projets de pourquoi la ville n'exige pas dans les projets des stationnements souterrains? La ville de Sherbrooke est complètement défigurée par les stationnements. Je peux répondre à cette question? Allez-y.
Parfait. Alors, le projet que vous avez vu de l'Office municipal d'habitation a deux stationnements souterrains. Alors, nous répondons déjà à cette demande. Et bien entendu, il y aura des stationnements à l'extérieur, car les nouveaux bureaux de l'Office d'habitation y seront. Donc, les employés auront une petite place pour eux pour pouvoir se stationner. Et les stationnements intérieurs seront pour les locataires. Je peux donner un complément de réponse, mais du côté des autres types d'implantations, effectivement, c'est une excellente suggestion que l'on prône aussi de plus en plus et que l'on suggère là, à chaque opportunité là, d'un nouveau projet. Alors, c'est toujours une question sensible que l'on a aussi à la Ville pour rendre davantage les sites autonomes qu'on appelle, donc avoir une autonomie de stationnement selon la quantité et intégrer, bien sûr, au bâtiment ou dans un espace là, souterrain pour garder l'avantage là, de l'espace en bâtiment et en espace vert. Alors, merci pour votre question. Merci maintenant, Anne-Catherine Pilon écrit. Merci beaucoup pour la présentation. C'est merveilleux le partage équitable de la route dont ce projet est empreint. Seule suggestion, avez-vous pensé installer des sas vélos aux intersections pour permettre aux cyclistes de se placer devant les autos afin d'indiquer leur direction, par exemple, tourner à gauche? Je vais prendre une partie de la réponse, puis je pourrais laisser Caroline si tu veux ajouter quelque chose. Effectivement, les SAS, c'est une expérience que Montréal a utilisée beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est que lorsqu'on arrive à une intersection, il y a une bande de couleurs différentes là, qui vient se placer comme si on était en traversée de piétons. Donc, en avant du bloc d'arrêt des automobiles, quand on arrive à une intersection ou à un feu, par exemple. Alors, on peut imaginer le bloc d'arrêt. Le bloc d'arrêt, c'est la bande blanche là, qui nous dit où on doit immobiliser l'auto. En avant de ça, entre le passage piéton, qui est souvent, qui est un peu plus loin, bien, il y a une bande de couleur qui fait que le cycliste qui arrive en deuxième temps, par exemple, à un feu rouge où il y a déjà des automobiles, bien, il vient se placer à l'avant. Et lorsque le feu devient vert, bien, il a l'avantage d'être à l'avant de la voiture pour pouvoir se glisser dans la course là, du déplacement. C'est un élément très intéressant. On ne l'a pas encore placé à Sherbrooke. On regarde comment ça vieillit bien puis comment c'est aussi utilisé dans d'autres villes. Mais c'est quelque chose que l'on connaît et qu'on étudie. Alors, merci pour la proposition. Merci. On a déjà un petit peu dépassé le temps qu'on avait prévu pour la période de questions, mais il nous en reste encore quelques-unes. Donc, une première intervention pour des gens. Je vais passer au travers. Et il y a des gens qui nous ont formulé une deuxième série de questions. On s'engage à vous répondre dans les prochains jours par courriel pour ces gens-là. Je vais continuer ici avec la première intervention de chaque personne. Donc, une question de M. Michael Denis. Je comprends qu'il y aura la construction de l'immeuble de 116 logements. Est-ce que de l'autre côté de la rue Galt, les vieux immeubles vont être transformés? Allez-vous rénover tout ce côté pour que ce soit plus beau ou vous laisserez le tout comme ça? Bonne question. Effectivement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les programmes de rénovation et d'accompagnement existent donc pour stimuler. Le fait qu'on fasse des espaces qui sont valorisés, qui sont vraiment au bout du jour et améliorés, amène bien souvent un mouvement de rénovation aussi de ces façades. C'est des propriétés privées, donc c'est au privé à faire le geste en conséquence, soit en transaction, soit en rénovation, soit en transformation. Mais la réponse de la Ville, que le conseil municipal nous a permis de pouvoir mettre en avant-plan, c'est de rendre disponibles des programmes de rénovation et d'accompagnement pour les rénovations. Alors voilà. Merci. Maintenant, question de M. Marc Fekete. J'espère que je le prononce comme il faut. Comme ce projet attirera de nombreux nouveaux piétons dans ce quartier dynamique, avez-vous une vue piétonne au lieu d'une vue à vol d'oiseau du projet pour montrer l'échelle et la marchabilité? On avait d'ailleurs dans la présentation des images qui étaient à la portée, à la hauteur d'homme qu'on appelle. Là, ça nous permet de pouvoir l'apprécier.
Tout à fait. Ce qu'on pourrait faire, je vais regarder si l'ensemble des images qu'on a présentées sont accessibles sur le site de la ville. Je pense notamment à l'image où on était face à l'intersection piétonne, face au parc Dufresne, qui était au niveau piéton. Donc ça, oui, on va pouvoir vous répondre à ça. Merci. Question de Mme Lynn Blanchet. Je travaille depuis 30 ans à la place de Belvedere et je n'ai jamais eu vent que l'entrée du stationnement était à risque d'accident. Je n'en ai noté aucun. Combien as-tu eu d'accidents à l'entrée du stationnement Belvedere versus l'intersection Galt-Belvedere? Enlever le feu de circulation serait une erreur monumentale pour la sécurité et la fluidité de la circulation. Je vais répondre. En fait, oui, on a des accidents qui sont recensés. On en a plusieurs. La comparaison entre l'intersection et cette intersection-là, en fait, ce n'est pas tout à fait une intersection, mais ce feu de circulation-là, je ne les ai pas sous la main, mais ça peut être sorti parce que c'est toutes des données qu'on a en main. Maintenant, vous dites dans votre commentaire que ce serait une erreur monumentale pour la sécurité et la fluidité. C'est tout à fait le contraire. De l'enlever va assurer une sécurité et assurer une fluidité pour les véhicules. Donc, c'est pour ça qu'on procède de cette façon-là. Merci. Question de M. Pierre Noël. Vous avez utilisé dans votre présentation les mots inclusion, appropriation et appartenance. Vous mettez de l'avant la mobilité, le partage de la voie urbaine, le reverdissement, le logement social. Mais aucun mot sur la présence et l'appel à des artistes et créateurs d'ici pour y compléter ce beau projet. En parenthèse, bravo d'ailleurs pour l'ensemble. La question maintenant, qu'en est-il de l'appel et de l'apport de ces gens dont beaucoup vivent dans ce secteur? Qui souhaite répondre? Je peux prendre la réponse. Toujours très intéressant, le volet culturel ou le volet artistique, effectivement. Ce soir, ce qu'on vous présente, c'est davantage le squelette, en fait, l'ensemble de la proposition. Cette particularité-là, est-ce qu'elle serait à l'intérieur du parc? Est-ce qu'elle serait même à l'intérieur de l'édifice de l'OMH? Ça leur appartient. Mais cette appropriation-là ou ce marquage-là auquel vous faites référence est tout à fait approprié d'y porter une attention. Alors, on pourra voir dans la suite des choses là, s'il y a lieu de pouvoir faire un espace particulier pour une expression. Merci. Merci. Question de Nicolas Rivard. Félicitations pour cet excellent projet qui redonnera enfin une place de choix aux piétons et aux cyclistes et améliorera significativement l'ambiance du secteur. Question, est-il encore temps d'ajuster le concept architectural de l'édifice prévu? Je comprends que c'est du ressort de l'OMH, mais l'édifice serait beaucoup plus élégant si la brique rouge se terminait quelques dizaines de centimètres plus haut, par exemple pour s'aligner avec les balcons ou le bas des fenêtres du sixième étage. La différence de coût serait probablement minime, mais l'édifice aurait une allure beaucoup plus raffinée et plus digne d'une artère majeure comme la rue Galt. Madame Bouliane? Oui, tout est encore possible. Cependant, nous avons travaillé avec la ville et tous vos services là-dessus, mais j'en prends bonne note et on pourra vérifier avec l'architecte si des modifications pourraient être apportées. Merci. Commentaire de Yanko Tenev et Danka Raeva qui sont propriétaires du restaurant Brochetterie La Maison Grecque. Nous témoignons de notre inquiétude ainsi que de notre opposition à l'interdiction permanente de se stationner dans la rue Galt pour les voitures. La clientèle n'aura plus de place où se stationner. Donc, de plus, il faut comprendre qu'avec les espaces de stationnement limités pour notre commerce, les espaces de stationnement déjà disponibles dans la rue sont et seront d'une nécessité pour continuer l'activité économique dans ce secteur du quartier. Cela signifie aussi que les camions de marchandises devront bloquer la voie de droite pour décharger leurs marchandises, ce qui pourrait ralentir la circulation automobile. Le terre-plein qui est prévu sur la rue Galt-Ouest vient confirmer qu'il n'y aura plus de feu de circulation à l'intersection de la rue Galt-Ouest et Saint-Antoine. Cette intersection est importante pour que nos clients provenant de l'Est en automobile puissent effectuer un virage à gauche vers notre commerce et ainsi que sur la rue Saint-Antoine. Les plans visuels tels que publiés par la Ville de Sherbrooke montrent une piste cyclable de chaque côté de la rue Galt-Ouest.
Nous pensons qu'une seule piste cyclable du côté nord de la rue devrait suffire pour fournir la demande. Bref, nous croyons que certains points du réaménagement de la rue devraient être considérés pour avantager les commerces, comme nous, qui contribuent au développement économique de quartiers depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous souhaitez réagir? Je pense que ça a déjà tout été répondu. Là, au niveau du stationnement, ça a été répondu un petit peu plus tôt. Au niveau des pistes cyclables, c'est une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté. Il y a un micro d'ouvert. Excusez-moi. Au niveau des pistes cyclables, c'est des pistes unidirectionnelles de chaque côté dans le sens de la circulation. On ne peut en mettre juste une d'un côté, c'est-à-dire du côté nord, parce que il y a de l'écho, excusez-moi, là, ça me déconcentre. Parce que ça ferait, dans ce cas-là, il faudrait faire une piste bidirectionnelle, ce qui est de moins en moins préférable dans nos aménagements. Voilà, excusez-moi, j'ai été complètement déconcentrée. Merci, Mme Gravel. Je terminerai par un commentaire. Ça ne sera pas très long, je vais juste retrouver où j'en étais. Voilà, commentaire de Mme Lise Go. Go ou Got, je m'excuse. Merci pour ce réaménagement qui va donner une bouffée de verdure et d'infrastructures de qualité à un secteur qui en avait bien besoin. Je comprends les craintes des commerçants, mais je pense qu'ils vont aussi bénéficier de l'amélioration du secteur en termes d'image et d'attraction. Les automobilistes provenant de l'Ouest, il est très simple de tourner à gauche sur Belvédère et d'accéder au stationnement du centre d'achat. Il ne faut pas oublier que beaucoup de résidents du secteur se déplacent à pied. Et ici, un autre commentaire qui est parvenu tout récemment, qui est en fait une question. Prévoyez-vous permettre la circulation dans les deux sens sur la rue Saint-Martin? C'est une rue très étroite qui a été changée pour une rue à sens unique voilà plusieurs années et je crois qu'il serait bien de le garder tel quel. Augmenter la circulation véhiculaire dans cette rue serait sûrement bien utile, mais peu sécuritaire. Au contraire, on pense laisser la rue Saint-Martin comme ça, puis on pense même le faire avec d'autres rues parallèles. Merci, Mme Gravel. Donc, comme je vous disais, il y a des citoyens qui nous ont envoyé une deuxième intervention. On va vous répondre par courriel au cours des prochains jours. Soyez sans crainte. Donc, avant de terminer, je voudrais inviter deux élus qui ont pris part à la rencontre avec nous. Je vais les inviter à prendre la parole. Donc, j'invite d'abord M. Avard, président du parallèle de l'habitation sociale, à vous adresser quelques mots. Merci, M. Bombardier. C'est quand même encourageant d'entendre les commentaires qu'on a eus ce soir qui, essentiellement, s'adressent surtout toute la question de l'aménagement, mais au niveau du projet comme tel, du parallèle, qui, soit dit en passant, est le bras immobilier de l'Office municipal d'habitation. C'est un projet qui est important pour nous. C'est un besoin. Je pense que j'ai entendu dans les conversations qu'on a entendues tantôt que les gens, on devrait en faire plus à Sherwood. Je pense que oui, effectivement, il devrait en avoir beaucoup plus, sauf qu'il y a toute une question de budget aussi qu'il faut considérer. Mais l'objectif de la ville, c'est de faire 100 logements combinés avec les coopératives et des partenaires comme le parallèle pour faire des logements. Et le projet sur Gartes, on en a dit un peu un mot, c'est le projet que nous, on appelle Suzanne Thériault, qui est une militante au niveau de l'association de locataires, qui est bien connue. C'est un projet de 116 logements avec 88 logements qui vont s'adresser aux personnes seules et 28 logements pour des grandes familles et surtout, ce qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui, c'est les bureaux de l'Office d'habitation qui vont être déplacés vers ce secteur-là, qui est pas mal plus central de tous les logements que l'Office possède et en même temps, plus près de la clientèle qu'on dessert. Mais je suis heureux quand même ce soir, j'ai bien entendu les récriminations des commerçants. Je pense que ça devrait être discuté au sein du conseil municipal, il y a des aspects probablement qui
pourrait être envisageable, là, mais pour ce soir, en tout cas, pour moi, ce qui est clair, c'est qu'il faut, particulièrement au temps qu'on connaît au niveau de la pandémie, regarder rapidement pour avoir des logements sociaux à Sherbrooke, beaucoup plus. Et en passant, actuellement, il y a une cinquantaine de logements qui sont en construction sur deux sites, un sur, pour les grandes familles sur la Vigerie, un autre sur la rue du Collège dans le secteur Lennoxville. Merci. Merci, Monsieur Havard. Je cède maintenant la parole à Mme Chantal Espérance, présidente du comité de revitalisation du centre-ville et présidente de l'arrondissement des Nations. Alors, bonsoir à vous tous et toutes qui êtes demeurés avec nous jusqu'à la fin ou qui vous êtes joints à un moment donné ou à un autre durant la soirée. Alors, je vous remercie d'être là. Je veux saluer également mes collègues qui ont fait la soirée avec moi pour vous entendre. Alors, d'abord, Monsieur le maire Steve Lussier, Monsieur Pierre Havard qui vient de vous adresser la parole et Monsieur Rémi Demers. Alors, donc, vous avez été nombreuses à poser vos questions, à émettre vos commentaires lors de cette séance virtuelle. Ceci en dit long sur votre engagement et moi, je vous en remercie au nom du conseil municipal. Soyez assurés que nous avons pris bonne note de vos interventions et que nous les aurons en tête pour la suite des choses. Comme vous l'avez constaté, le projet Gare Ouest est un projet structurant dont le secteur a grandement besoin. Plusieurs projets importants sont en cours au centre-ville, vous le savez sans doute, hein? Le projet Espace Centraux du quartier Ouest-Sud, celui des Grandes Fourches Nord, ainsi que le pôle multimodal et le lieu de diffusion. Tous ces projets forment un tout et répondent à la vision de développement du centre-ville que nous nous sommes donnés en 2015. Nous avons à cœur de considérer l'opinion de tous et de toutes pour la bonne marche de ces travaux. Les commerçants, les organismes communautaires, les usagers et usagères du parc et évidemment les résidents et les résidentes. Parce qu'on ne doit pas oublier que Galt West, c'est avant tout un milieu de vie. Plusieurs de ces projets prennent forme actuellement et c'est extrêmement stimulant. Nous sommes en train d'améliorer grandement le cœur de notre ville et ce, pour les décennies à venir. Je voudrais aussi ajouter qu'au programme que M. Tremblay a nommé tout à l'heure, c'est-à-dire le programme de Rénovation Québec, le programme des rénovations de façades, il y a aussi le programme, en fait, le règlement 1166 que je vous invite à aller visiter et vous pouvez le retrouver à sherbrooke.ca/ aide à la rénovation en un seul mot. Et là-dedans, vous allez avoir il y a des congés de taxes pour des constructions nouvelles ou des rénovations nouvelles sur du 4 étages, sur du 2 étages. Il y a toutes sortes de modalités. Il y a aussi, si vous créez des nouveaux logements, il y a des montants d'argent qui sont donnés par logement nouveau de créer. Alors, c'est assez complexe, mais ça vaut la peine d'aller le visiter. Alors, je répète, sherbrooke.ca/ aide à la rénovation, et ça fait référence au règlement numéro 1166 qu'on a adopté en mars 2018. Et justement, le secteur Gare Ouest est dans un des secteurs touchés. Alors, ça peut aller pour certaines rénovations 2 ans, 3 ans ou 5 ans de congé de taxe sur la plus-value. Alors, ça vaut quand même la peine d'aller voir ce qu'il y en est. Je veux te remercier en terminant, bien sûr, vous qui avez été présents, comme je mentionnais tout à l'heure, mais aussi les fonctionnaires et aussi M. Dobson de la STS qui ont rendu possible cette soirée d'information, soit lors de la présentation ou bien lors des réponses qui ont été données aux nombreuses questions que vous avez posées, qui sont tout à fait pertinentes et qui méritaient justement des réponses pertinentes aussi. Alors, je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre participation à cette soirée d'échange et d'information. Et on se donne bonne chance pour la suite. Alors, bonne soirée. Merci. Merci, Madame L'Espérance. C'est ce qui met fin à cette soirée d'information et d'échange. Et j'espère que vous avez apprécié. Si des questions existent, je vous invite à nous écrire à l'adresse centreville@sherbrooke.ca. Donc, centreville@sherbrooke.ca. Là-dessus, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt.